Alors, Ketz. Ouais. Il y a Kana qui vient de dire qu'elle a fait tomber son pistolet à colle chaude sur elle-même, donc elle s'est brûlée. Jusque-là, tout va bien. Enfin, oui et non. Tout va bien, oui et non, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, si tu bricoles et t'en as besoin, voilà. Vraiment du bricolage, mais... Bref, on sait pas. Bref, elle dit qu'elle s'est brûlée, du coup, et elle dit... Hey! Salut à toi, Pandanine. Merci, Pandanine. Merci pour ton follow, bienvenue sur la banquise. J'espère que tu es bien. Et du coup, elle a dit... Peut-être que grand daddy, donc peut-être que... que papa daddy, donc toi... Ouais. peut faire un bisou magique. T'es amoureuse ou quoi? Ah bah peut-être hein. T'as peut-être une touche mon Ketz. Ah mince. Encore mince. Ouais. T'arrives tellement souvent ces derniers temps. On peut plus hein. Le pauvre qui sature. Je ne suis pas qu'un objet sexuel s'il vous plaît quoi. Il va pas. Il va partir en burn-out du sexe. J'ai une âme aussi, ok. Oui, et elle nous appartient. Du coup, il me manque 18. On pourrait même déjà crafter du MK4 hein, si on l'avait déjà débloqué. Ouais, mais on l'a pas déjà débloqué. Tac. Ah, mince, il faut que je mette un cran plus loin. Ok. Je vais venir chercher les câbles modulaires, j'espère qu'il y en a quelques-uns quand même. Il devrait y en avoir quelques-uns. Ouais mais faudrait que... comment? Ouais je vais peut-être le faire à sa place vite fait parce que ça va sûrement être moche mais... comment ça s'appelle? Les câbles modulaires ils étaient en train de saturer en haut d'un côté et ils étaient carrément pas reliés au reste. Ah ça je sais pas, j'ai pas fait gaffe ça encore, je suis en train de... Ça y en avait que la moitié qui était reliée au stockage. Je suis en train de produire des vis là donc... Yes. En train de modifier ça justement pour que ça, sorte. Ok, là on est bon. Là-bas. On va remettre les bonnes vitesses aussi. Je sais plus comment on fabrique. 50, 100. Les structures versatiles et les câbles automatisés. C'est des trucs qu'on n'a pas fait encore automatisés. Il va falloir qu'on attaque le. Comment ça s'appelle? Le cuivre. T'avais dit quoi par rapport à... par rapport au bisou magique? Oui, pas de soucis. Il said... Attends, mais comment on dit pas de soucis en anglais? Il said, yeah, no problem. Spécial, établi. Il retourne. Non. Tu retors sur moi. Ah, c'est utilisé en priorité ceux qu'il y a dans le stockage dimensionnel plutôt que ceux qu'on a sur nous. Ouais, il y a pas une case à cocher pour dire prendre de l'inventaire avant de prendre dans le dépôt. Ouais. Il y a une case à cocher? Oui. Quand tu ouvres ton inventaire, t'as une petite flèche. Ah oui, prendre dans l'inventaire avant le dépôt. Ok, très bien, j'ai vu. Voilà. Merci. Bah je viens de l'avoir, merci. Je le faisais pas, je me disais putain c'est chiant ça justement. J'avais pas vu. Bravo, salut GG. GG31, comment tu vas bien? Yo GG. Hop, on est bon. Ok, on envoie la sauce. Un stockage complet, là c'est incomplet. Toi qui reviens d'ici. Attends, on va mettre aucun. Elle est toujours vivant l'autre. Ouais. Il nous disait qu'il avait craché du sang. Il t'a appelé l'autre. Il dit toujours vivant l'autre. Ah ouais, carrément, je pensais pas valoir si peu, mais d'accord. Ok, allez, stockage de vis là, comme ça c'est bon. Et stockage de vis, ok. On commence à stocker des vis, non? Ouais, et puis moi j'ai réparé le truc de...
Le problème des tapis, c'est pas hyper propre, mais c'est pas moche et y a pas de clipping, donc ça va. Ah, tu peux même passer des ressources en prioritaire pour mieux les voir. Ok. Ça c'est cool. Ouais, c'est bien foutu. Ouais. Ça, je vais mettre là-dedans. Ok. Donc là, on envoie. Alors, on produit le double de ce qu'on consomme. Mais qu'est-ce qu'est ce moment, Fastronix, du coup? Ok, là on est bon. Mais que vois-je? Il y a un troisième joueur, il faut le baptiser, tu penses? Ah, mais c'est un streamer aussi, hein, mais il est pas en stream. Tu vois avec lui. Salut, GG. C'est Ricker. Moi aussi, je t'aime, mon GG. Là, on a nos fils pour là. Oh, mince. De faire. Ça, c'est rallumé. Ah, ça, il y a juste pas d'allume. Ok. Ah, non, ça va, c'est pas casse-bonbon. Si je trouve que la structure modulaire. Et les câbles automatiques, le câblage automatique c'est chiant. T'es pas prêt pour la phase 3, 4 et 5 hein. Alors, là on a 270, moins 60, 120, il reste 150, 150 et là il reste 30. Ouais, ça doit être ça. Pourquoi ici ça tourne pas alors? Parce que j'ai pas assez... J'ai pas assez de plaques qui arrivent. Ah, attends, quelques longs. Comment ça va, GG? Bah alors, tu galères, mon quête? Hop. Non, c'est bon. Juste rater un truc. Ouais, j'ai vu. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, 10. Salut, Cannabelle. Et je veux savoir, Trad raconte lui, deux. Bah il a engrainé notre ami Dragnix à manger une cuillère de farine. Et il a tout vomi par la fenêtre, on entendait en stream, il faisait des... Et il a tellement toussé qu'il a craché du sang. Voilà. Bon GG. GG, il était content. Je t'ai dépucé, ok, mais bon, on est amis. Il faut prendre 300. Ok. Je peux prendre sur du 300. OMG. Ouais, comme à l'ancienne, quoi. Écoute-moi ça, quête. Oui, je lui dis comment est-ce qu'il va mon GG. Il me dit mon GG, je t'ai dépucelé, ok, mais bon on est amis. On avait dit pas les petits. Ah bah oui c'est long mais bon. Satis en soi c'est un jeu long. Hein. Oh j'ai plus de vis. Oh là là. Est-ce qu'on a des vis là-bas? Ouais! On a tout ce qu'il te faut en vis! Parce que là, c'est les câbles modulaires et ça commence à m'embêter un peu. Bon, je vais attendre un peu avant de remonter. Pour les câbles modulaires, il faut des vis aussi. Non? Ouais, c'est ça, mais je vais attendre un peu avant de remonter, comme ça je vais voir un peu le reste. Ah, mais il y en a, il doit y avoir quasiment 5000 en stock là, des vis. Yes. On tourne à balle. Est-ce que l'un d'entre vous a du charbon? Non. Là, je suis à côté de la mine de charbon, donc je peux éventuellement taper dedans si tu veux. Tu mets dans le stockage dimensionnel et hop, c'est bon. Putain, ça va être pratique! Il faut pas beaucoup, hein, une 30-40. Alors là, c'est 30, c'est ça? Putain, j'ai oublié. Et combien c'est 30? Ouais, c'est ça, quoi, c'est 30. Deadly. 270, moins 60, 210. Ah, il y en a un qui peut me mettre un tout petit peu de MK3, s'il vous plaît, dans ce cas dimensionnel. J'en ai vraiment besoin. Dans mes 100, ça suffira? Ouais, ça suffira. C'est pour optimiser le... Pour optimiser la production de poutres renforcées. Yes, je vois. Donc, là, on est sur du 270. Merci pour le charbon. 210. Moins 60, on est à 150. 150, moins 60, on est à 90. C'est donc du MK2. 90, après c'est du MK1. Ok. Mmh.
Ah oui, il a pas mis toutes les plaques, il a vraiment fait ça à l'arrache. Ok. Il y a le plaque. Non, les fondations. Skye, mais il a pas dû avoir le temps de terminer. Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bah... sur ma chaîne, pour des points de chaîne, tu peux mettre un gros bang qui va me faire sursauter. Ouais. Bon bah la personne qui vient de me le faire et qui m'a fait sursauter a elle-même sursauté de sa propre connerie. C'est ça que c'est bon. Bon, pas stockage. Ah oui, c'est le petit du fond là. Non, GG. Ah putain, ça part en truc sale dans mon chat, ça y est. Ça. On a les viewers qu'on mérite. Bah GG qui dit Akana, qui est ma viveuse anglaise, qui dit qu'elle a mérité de... Enfin qu'elle a gagné de le droit de manger une cuillère de farine. Et elle qui répond qu'elle aime bien les trucs blancs dans sa bouche. Elle a de l'humour au moins, c'est bien. Non. La prod, ça non, va non, mieux, non, 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 non. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Par contre, on va manquer à la fin de l'ingo. Le stockage va s'épuiser petit à petit. Parce qu'on n'a pas assez de minerais qui arrivent. Mais ça, on le règle après. Ah, mais allez, cadre modulaire. On va aller vérifier que tout va bien. Alors, cadre modulaire. On en prend 3 par minute. À la fin, il y en aura 30. Et là, il y en aura 120 au max. Donc, ça fait du MK2. Est-ce que max. Tu peux regarder... Oui. Là où je suis. Non. Je peux pas. Bisous à bientôt. Bisous, Deadly. Ouais, ça l'a gêné dans mon chat. Suspect cette histoire de blanc sur le visage et dans la bouche. Non mais Louen, moi j'ai rien dit. S'ils vont lancer ça tout seul et ils parlent des farines, je vais pas m'étendre sur le sujet. Non, il y a pas de Nifan. Ah moi ça marche hein, si tu tapes Nifan dans mon chat. Hein. Ah ouais. Ouais ouais, vas-y essaye. Ça va donner le lien ton Tipeee ou un truc du genre. Pour voir des nudes de Kefard. Ouais. Il y en a qui se battraient pour ça. C'est obligé, ça va être un rickroll ou quoi. Ah les subs, ok. Mais il a mis ça n'importe comment lui. Vous voulez que j'ajoute un OnlyFan? C'est ça. Hop, ça il va falloir le décaler. You touch my tralala. C'est tout ça. Hein. GG. Je te mets des cadres modulaires un petit peu de... Ouais, s'il te plaît. En stock. Il y en a que 25. Hein. Ah, pas beaucoup, mais... ça avance tranquillement, quoi. Ouais, et puis il a tourné ça comme ça. Salut, Deadly Brune. Désolé, je suis un peu en train de répondre à des messages importants. Bonjour, Deadly Brune. Ouais, c'est Léna. Ah, faut le une cuillère de farine en live. Non, j'ai déjà dégueulé hier, c'est bon. C'est bon, ça m'a suffi, hein. Pas plus de... Comment va, Selena? Mais c'est pas le bloc que je veux. On est bien en phase. Ça, je vais finir. Je vais vous créer une commande spécialement pour... Pour de la farine. Dégueulé, c'est tout. Non. Oh. Vomir, c'est la vie. Bah, vas-y, envoie-moi une vidéo de toi en train de le faire. Vomir, c'est la vie. Je n'ai jamais entendu cette phrase avant. Ouais, je crois que ça prouve. À part une ou deux anorexiques, mais vomir, c'est la vie. J'avais jamais entendu ça. C'est drôle.
Ah là là, les gens. Attends, mais il a mis le groupe 1. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça renvoie de ça là-bas? Mais c'est pas là-bas qu'il fallait le faire, c'est ici. Attendez un peu, hein. Ouah, il s'est emmêlé. Je l'ai perdu, le pauvre. Je lui ai fait du mal. Hop. Quel pervers. Ah bah, Dragnix. De quoi? Il y a Drag dans son pseudo, hein. Check son chat. Et il y a X à la fin. En plus. Ah, si ça, c'est pas des preuves. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je vous laisse faire. Bonne nuit, va te coucher. Je suis mineur, moi. Oh. Boucaquet de farine, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Ça parle de boucaquet dans mon chat avec de la farine. Boucaquet? T'iras voir sur Google. Tape sur Google, tu verras. Boucaquet? Qu'est-ce que... Comment vous écrivez ça? Ça commence par B-U-K, après pour le reste, tu te débrouilles. Ah, d'accord! D'accord. Ici 21h21h, c'est l'heure de Dragnix, ça va, yes. Donc calmez-vous sur la gage par contre. Les boucaquets de farine. Par contre, la commande OnlyFans est sortie. Si vous voulez, vous pouvez aller la voir. Les boucaquets de farine. Mais putain, vous êtes trop cons les gars. Ah putain, je suis tellement pur pour des gens comme vous, moi. Ah oh, bah la commande ne marche pas. Bah super. Bah bravo Dragnix, hein. Attends, lui il a mis ça là, il a mis ça comme ça. Là, je sais pourquoi. Arriver. Ici comme ça, ok. Un. Réessaye. Deux. Réessaye si tu l'avais. Mais du coup, ça y est, on a plus le nuage de gaz. Ah ouais, mais il a mis ça juste devant, donc forcément ça bloque. Alors qu'il y a un petit peu plus de place derrière. Il suffit juste de pas passer au milieu. Si toi, je suis là. Ah, eh ouais, David Brune. Mais du coup, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Prise de place, MK2. MK1. J'ai aussi fait ma commande de Nippon, du coup. Ouais. Ah, j'ai besoin de sulfure, j'ai plus assez de sulfure, mince. Du coup. C'est Desmond. J'ai mis mon Tipeee. Il va me falloir plus de cadres modulaires si t'en as d'autres. Et du sulfure. Mais si quelqu'un a du sulfure, mettez-le dans le stockage temporel. Non, tout le sulfure que j'avais récupéré, je l'avais remis dans le. Là, je te l'avais filé tout à l'heure. Dans... Ouais, bah j'ai tout utilisé là. Je suis en train justement de faire la prod pour les cadres. Donc il faudra que t'attendes un tout petit peu, si tu veux bien. T'en as besoin de 10 seulement là, c'est tout? Ouais. Ah attends, je vais te le faire. Il faut en crafter aucun sur moi. Ah, je vais te le faire, ça va, il faut 10. Ça. On va voir ce qu'il faut. Juste mettre un CDN, tu mines vidéo. Non mais arrêtez, ça parle de laisser de payer en liquide, de faire des traces ADN et tout, c'est bon au bout d'un moment. Alors, on fait ce que vous voulez hein. Chacun son délire. Toi qui parles de farine justement, ouais ouais. Moi j'ai parlé de rien du tout. Du coup à quoi attends, mais je pense à un truc là. Tout con mais on a dit qu'on voulait faire un stockage général aussi. Mm-hmm. À quoi ça sert? Bah on pourra quand même en prendre vachement plus et vachement plus vite que ça. Hein. Bah, des bisous Almi et salut son chat. Ça dépend quel niveau c'est upgradé. Là on est ok, là on est ok. Bah on verra plus tard, bizarre. Mais je vais quand même prévoir pour au niveau des gars je pense. Hein. Non mais c'est trop bizarre, j'ai vraiment l'impression que visuellement ces deux là ils sont plus éloignés que ces deux là. Et oui parce que c'est pas en face. Putain. Moi, je lance, moi je suis parti du tout. Je viens de comprendre le sens du liquide. Ah bah ouais. Hein. Il veut prendre plus, il parle de quoi? Non mais rien, t'inquiète. Ça va pas aller mieux ou pas? Bah écoute, moi ça va très très bien.
et 3, et on est bon. Très 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 bien, passez la journée, plutôt productive. Ah, attendez. Connector recipe unlocked. New Caterium research available. Ok, d'accord. High speed connector, les cartes électroniques rapides. Y'a personne qui a tué des animaux entre temps? Non, nous on est gentils avec les animaux. Moi je tue tout ce que je trouve. Hein. Ouais, on sait. Bon, je suis en train de booster un petit peu la couverture d'acier histoire qu'on puisse avoir. Ah bah ouais, vas-y, parce que je l'avais fait vraiment vite fait. Et là je suis en dèche de tige, en dèche de vis, en dèche de plaque renforcée. Là ça devrait aller bientôt mieux là. T'es loin ou pas? Et ça? Non, la plaque d'acier elle est pas loin. Enfin, la production d'acier. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, t'es pas loin, effectivement. Voilà, je tiens à ce que gérer. What do you mean, Kana? Bon. Voilà. Ça, c'est le. Non, mais arrêtez. Ça, c'est l'heure. Attends, ils sont inversés le 1 et le 2 là? Le 1 est à gauche et le 2 à droite. Alors, merde, non, c'est pas 10%. Hein. C'est plus 100%. Hein. De quoi c'est plus 100%? Le power amplifier. Ça double la production. Hein. Ah ouais? Ah oui? Ça double le truc de sortie, mais ça coûte beaucoup plus cher en électricité. Comment ça, ça te coûte plus cher en électricité? Ça veut dire? Bah, tu vois, quand tu. Quand t'overclock un truc. Ah oui, d'accord, ok, je vois de quoi bah tu là, parles. C'est pareil, mais c'est encore plus. Ouais, mais l'avantage, c'est que ça coûte pas plus de ressources, donc c'est bien pour une foreuse ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est exactement ce que je te disais. C'est exactement ce que j'avais pensé faire. Ah, plus 10 de l'élec. 10% seulement. Ça coûte seulement 10% de l'élec de plus pour 100% de renta. Waouh. Ça coûte de l'élec en plus, c'est-à-dire consomme de l'élec. Consomme, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, il parle bizarre, on sait. Enfin, j'ai pas entendu. Milestone reached. Attends, ça parle. Pioneers started exhibiting traumatic responses to power blackouts. Fix-it develop mitigation tools recommended by your local therapist. Power storages can hold excess power to delay or prevent blackouts in the eventuality that your factory's power consumption exceeds production. To simplify, these are rechargeable batteries. Power towers carry power lines for significantly greater distances than poles, facilitating factory expansion and exploitation of this environment for the good of Fixit and humanity. Bonsoir à toi, Gate 21 Don. C'est vraiment un salaud quand même. Hein. Qui souhaite que Dragnix change de pseudo et qu'il s'appelle Farinator? Farinator 2000. Ah, le bâtiment Power Augmenteur. Ok, mais je l'ai pas encore. Ah, moi j'ai trouvé la proposition intéressante. Hein. Non. Pour ça, non? Non. C'est quoi que tu as sorti ta. Ah oui, t'es raciste? Ouais, je suis raciste. T'es raciste de la farine? Ouais, totalement. Ah! Il est farinophobe. Ouais, t'es farinophile. Ouais. Ok. Personne ne touche à mon pseudo. Attends. Au lieu de me faire chier comme ça là, attends. On va faire ça comme ça, parce que là je me prends la tête pour rien. On va faire ça, on va couper ici, on va switch après. J'aime bien de prendre la tête, hein. Ouais. Non mais j'essaie de simplifier un peu le but qui a été fait là. Il a bien bossé Sky, hein, c'est pas le problème, mais. Non, on peut pas parler de tout. Enfin, ça dépend, mais tu peux théoriquement parler de tout, mais dans la limite du raisonnable quand même, hein. Parler de tout, mais pas avec tout le monde. Là, on est 1, 2, ok, donc on est là. Allez, vous continuez vos discussions bizarres. Il n'y a pas de discussion bizarre, hein, c'est eux qui discutent tout seuls. Moi, j'ai rien dit. Une fois, Kate a mis sa quête dans le paquet de farine. Non, waouh. Alors, je voulais pas savoir ça. Et je pense que 100% des gens de ce chat ne voulaient pas savoir. Escalier pour monter parce que l'échelle, c'est pas pratique du tout. Bah, il y a la rampe.
Non mais après une fois qu'on est dans les étages, je veux dire. L'escalier. Ah ouais, non mais après c'est moi qui gérerai avec le build. Oui oui, il va faire des builds, il va faire un build qui va être sympa normalement. Oh la pression qu'il met l'autre. Bah écoute. Des bisous Pastronix. Du coup son chat, qu'est-ce que tu nous racontes? Ok. Ça comme ça. Bon. Alors, allons voir ce que ça donne, ça. Ça va tout marrant, bien. Non, 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 GG, calme-toi, calme-toi, GG. GG, tu vas avoir le badge du premier ban. Non, j'ai déjà eu des bans. Ban les gens, toi? Ouais. C'est rare, hein, c'est très rare, mais ça. Quand ils parlent de farine, tu les bannes ou pas? Non, mais j'ai facilement envie de leur remettre une dans la gueule. Ils sont en train de te tester, mec. Ça, tu le dis, Etienne. Ok, c'est bon. Donc, optimisation des. Des cadres modulaires faits. Ok. Il y a de quoi faire combien de stockage de dimensionnel? 4. 4? Ok, je l'ai fait ou pas? En vrai, je déconseille parce que le truc, c'est que les sphères de Mercer, c'est très limité. Hein. En fait, je suis en train de penser, mais je pourrais faire un build. Je pourrais faire un build qui fait que je reprends le service. Sky, j'ai modifié tout ce que t'as fait là-haut quasiment. M'en veux pas. On n'avait pas de quartz. Ouais. Ok. Et on a débloqué. Non, on a débloqué le stockage dimensionnel. Quand t'appuies sur ton inventaire, tu vois un autre. Un autre stock sur la gauche. Et donc, tu coches prendre dans l'inventaire avant le dépôt. Et du coup, t'étais là. Ah, okay. Ça marche. Ça marche. Ok, donc là, avec les gares et tout en dessous, ça va donner ça. Très bien. Et on va rajouter plus de minerais. Et après, pour l'instant, c'est bon ça. Et on est bon. C'est massif quand même. C'est massif. On a des power slugs. Oui, tu regardes dans le. Éclat de charge. Dans le coffre du hub. Éclat de charge. 72. Ça va. Ah, j'ai compris, Dragnix, pourquoi t'arrivais pas à Switch. Quand tu tiens à scinder exactement comme tu veux. Quand tu scindes, tu m'entends? Scinder quoi? Quand tu veux scinder des stacks de ressources, reste appuyé sur le clic droit. Tu sais, tu fais Shift, clic droit là. Ah, ça a changé? Non. Ah putain, ouais, ça a changé, merci. Voilà. Et puis après, tu as le curseur, tu... C'est parce que c'est pour ça que t'arrivais pas. Non, mais avant, t'appuyais juste sur CTRL et... Enfin, shift et clic droit et ça marchait. 90 plus 150. Ça fait 300. Mais ça fait 120. Elle est incroyable. Et 10 cubes. Je l'ai monté. En fait, c'est pas compliqué. Comment ça s'appelle? La S1000R. Sans trop m'étaler. Merde, je suis plein.
Non mais bon. Cadre modulaire. Je peux pas dire. Ok, je peux plus dire ça maintenant. Très bien. Je dirais plus. Bon, tu vas, Silk, ça fait plaisir de te revoir. Hop. Alors, y a quoi à faire? Bah, toujours la deuxième ligne de prod. Similaire à la première. Vérifier que... si, alimenter aussi en électricité toutes les machines. Hypertube entrances at both ends of hypertubes. Pioneers can achieve two-way travel between locations. Attends, quand ça parle. You dreamed of moving across factories like valued resources such as rocks and water and fix it. Listen to your dreams. We watched them. We took extensive notes. Hypertubes, because fix it makes pioneers closely monitored dreams come true. Ok, merci. La fusée, elle disparaît pas dans le ciel. Tout est déjà branché. Ouais, mais vérifie, t'as des machines en rouge, le Sky. T'en as qui doivent pas être... les recettes doivent pas être réglées correctement. Non, pas Madame Ketran. Aucune lumière rouge. Bon, ça, aucune lumière rouge. Ah bah écoute, c'est vrai. Bah écoute, tant mieux. Et toutes... même les machines qu'on n'utilise pas pour l'instant, hein, tu raccordes tout. On voit... une bonne ou une mauvaise nouvelle, les coups. Pas une bonne. Bah j'ai les deux en fait. Ouais. La bonne c'est qu'on est stabilisé. Ouais. Stabilisé. Parce que j'ai fini le tier 4 complètement. Faut finir la phase 2 maintenant. Ouais, mais alors avant de finir la phase 2, mec. On a beaucoup de place sur la planche. Ouais, non, mais là ça a rien d'avancer tout de suite. Faut déjà qu'on voit où on met le bâtiment de fer. Bâtiment de fer c'est bon, mais je veux dire de cuivre. Là on a 150 dessus, je suis en train juste de terminer d'équilibrer les ressources en fer pour que ça arrive à fond. C'est pas ça, attends. J'ai pas fini. Okay. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a les foreuses niveau 2. Ah. Ouais mais je crois que Kate n'était pas au courant de cette info. Non mais je savais pas. Du coup on peut doubler dès maintenant la production. Mais le truc, c'est est-ce que l'électricité va tenir? La réponse est... Bon, les foreuses niveau 2, si, ça va aller, là. Ouais, mais il y a toutes les machines qui vont derrière aussi. Bah, les machines, ça va rien changer. Là, j'étais, les machines étaient déjà réglées, alimentées, et elles tournaient avec le stock qui restait de minerais en bas. Donc c'est bon, c'est juste qu'on va mettre moins de power slug dans les foreuses. Ouais, on a 250%. Mais oui, ça tourne. Donc c'est bien, on va économiser du courant même. Et donc au lieu de 250%, je mettrais quoi? Je mettrais 125. Bah c'est simple, il faut que sur les deux lignes, t'es, idéalement, t'es 270. Sur les deux lignes? Ouais, les deux lignes là. Mais c'est pas encore du MK3 les deux lignes. Là, bah si, c'est du MK3 les deux. Waouh, bah écoute, bah je m'en occupe. Bah voilà. alors attends, que je revois combien de hauteur j'ai fait ici, là. On va faire la même chose pour le bâtiment de cuivre qu'on va faire loin là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... En fait, on a des convoyeurs MK6, ils montent à combien? Ouais, on en a, et 1200 par minute. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus rien à craft de spécial, pour l'instant. 20. Okay, donc ça veut dire qu'on peut se focus sur les usines. Ouais. Et je vais commencer à placer. Ça joue. Ouais, ça joue bien. Non, la mauvaise, c'est que je vais pouvoir build... Et que ça va coûter extrêmement cher. Bah je viens de taper une grosse tartine de béton là. Ouais. Parce qu'on va en avoir besoin aussi pas mal. Là je vais vous mettre des plaques en stock. Trier. Qu'est-ce que j'ai sur moi? C'est ça aussi. Ça je vais le mettre là-bas. Est-ce que tu peux mettre des cadres modulaires s'il te plaît? Non, j'en ai pas, mais ça tourne là-haut, les cadres modulaires. Ouais, mais est-ce que tu peux m'en mettre dans le truc, c'est ça la question? Mais non, je peux pas, puisque je suis en bas. Ah, y'a quelqu'un qui est en haut? T'es à moitié nu? C'est ça, Sky? Je suis à moitié nu. C'est pas grave, je monte.
Et on va la faire dans ce sens. En tout cas, l'une des deux lignes tourne déjà à 270 là. Ouais, je sais. Mais si tu peux remplacer les fonderies avec 3 éclats de charve par des MK2 avec juste un éclat de charve, je pense que c'est mieux. Mais non, mais là, il y en avait une qui tournait à 150 par minute, je l'ai passé à 270 par minute. Ah, d'accord, ok. Voilà. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'était pas clair. Pour moi. Bah, si. C'est pas clair pour moi. Je peux les passer à 270. Je t'ai dit, la première, elle est à 270. Ok. L'usine de cuivre, vous la voulez où, les amis? Parce qu'elle va être. Un peu plus espacé. Elle va être. Haute. Par là-bas, je pense. Attends, vas-y, fais voir. Tu pinges là-bas? Ouais. Ok. Mais par contre, attends, regarde. Avant de partir à faire le salle de cuivre, adapte ce tapis, adapte toutes les usines de ce tapis à ce qui supporte 270. Les usines de quoi? Parce que je vois pas, je suis trop loin. Non mais je vois ton ping, mais je sais pas ce que c'est là-bas. Bah c'est le premier tapis. Le premier tapis? Je sais pas clair ce que tu me dis, je suis désolé, je comprends pas. Bah si, c'est très clair. Tu m'as dit de passer les deux tapis à 270. J'ai dit que le premier il était à 270. Ah, t'as d'accord. D'adapter les machines pour qu'elles puissent tanker les 270 lingots par minute. C'est fait déjà ça. Elles sont déjà toutes allumées. Oui. Sky il est en train de vérifier que tout est bon, tout est mis et que les recettes sont mises dedans. Maintenant j'ai une question. Pourquoi est-ce que les deux autres machines elles sont reliées sur le même tapis, sachant qu'avec une machine on peut blinder le tapis? Parce qu'on. À deux foreuses qui sont sur un seul tapis pour résumer. Bah parce qu'avant elles étaient en foreuse MK1 et donc j'avais équilibré pour que ça fasse 270. Mais est-ce qu'on peut adapter pour que ce soit. Trois tapis d'entrée? Bah oui, il suffit juste que vous fassiez la deuxième ligne de prod à côté. Ils commencent à renvoyer des minerais aussi là-dedans. Si vous faites la deuxième ligne de prod de fer à côté, on relie ça et puis on bastonne. Mais attends, je comprends pas. Pour une ligne de production, c'est combien de fer? Alors, idéalement, à la fin, ce sera du 1200 minerais par minute sur chaque entrée en bas et en haut. Donc 2400. Pour l'instant, on peut pas faire ça et on peut pas utiliser plus de 270 par minute parce qu'on n'a pas les convoyeurs. Voilà, on n'a pas les convoyeurs. Ils tentent de t'embrouiller avec ce qu'ils disent. Ouais, c'est possible. Je comprends pas. Attends, il y a un truc qui m'échappe. C'est pas normal. Si, c'est normal. C'est parfaitement clair, logique et limpide. Qu'est-ce qui t'arrive? Lui, il fabrique 270. Qu'est-ce qu'il empêche, lui, là, de fabriquer 270? Attends, je vais regarder ton stream parce que là, c'est compliqué. Vas-y, dis-moi. Là, t'es d'accord, c'est tous des puits normaux. Ouais. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on fait pas 3 entrées? Mais parce que t'as que 2 entrées sur un stockage. Mais quel stockage tu me parles? Mais des stockages dans la base, mais tu fais exprès ou quoi? Mais alors pourquoi on utilise les 3? On utilisait les 3 tout à l'heure parce qu'on était en foreuse MK1 avec les éclats de charge pour faire 270 au niveau des entrées. C'est pour ça que j'avais relié 2 lignes ensemble. C'est tout. Ok, mais du coup, celui-là, il va devenir quoi, là? Et il deviendra, quand on aura fait la deuxième ligne, il viendra alimenter ailleurs. Okay, là, pour l'instant, on peut pas... tout ce chemin juste pour cette question. C'est vraiment bizarre. Et c'est pour ça qu'on pouvait pas faire plus. Là, on est limité par la vitesse des convoyeurs. Si jamais on a plus, on pourrait faire plus. Mais là, on est limité par la vitesse des convoyeurs. Donc, tu veux faire l'autre base ici. Donc on a dit combien? On a dit 20... Quelqu'un pourrait uploader un peu de béton, s'il vous plaît, dans le... Ouais. C'est encore. Merci. J'en mets aussi. Bah là, du coup, t'as 2 entrées à 270. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est fait. Ah bah parfait, et bah merci. Et avec le sourire. Mais j'ai le sourire. T'as intérêt, ouais. Mais j'ai encore faim. Sérieux, t'as encore la dalle? Ouais. Alors attends, ici on va avoir la place normalement de mettre les trucs. T'es parti où toi du coup? C'est possible. Là, vers là où t'as pingé. Ouais, je voulais, tiens. Ok, la fusée elle revient, mais je vais rien pouvoir en faire. C'est pas grave. Donc là, si vous mettez cette hauteur-là, voilà, il y a largement la place. Si on part de cette hauteur-là ici, qu'on fait 20... Et Riker, toi, t'étais... Oui, c'est bon. Par là-bas, ça va gêner. J'ai coupé de l'acier, moi. T'as fini, là? Ça y est, j'ai doublé la prod d'acier, je retravaille juste. T'as fait quoi? T'as utilisé des... Ah,
j'ai utilisé des stocks pour la foreuse et sinon j'ai... T'as juste doublé mes machines en fait. Ouais. Ok. Il y a personne qui a tué des animaux jusque là. Non. Là j'ai une idée de ce que tu peux faire. J'ai plein de... Je suis revenu, je t'en avais filé plein des morceaux d'animaux. Ouais mais je les ai tous utilisés et j'en ai besoin de 5 de plus là. J'ai une idée Drake de ce que tu peux faire si tu veux. Ah bah moi aussi hein, faut que je continue l'usine là, mais c'est surtout que j'ai un dernier craft en route là. Il faut que je le finisse avant de... Avant de continuer l'usine avec Sky. Comme ça, là ça part dans ce sens là. C'était ça que tu voulais me dire de faire? Non, pas du tout. Je voulais te dire, est-ce que ça te dirait pas, puisque vous avez du mal et sous à repérer et puis c'est long à monter aux échelles, est-ce que tu ferais pas sur la droite de la première ligne de production, vu que c'est le côté droit du bâtiment, est-ce que tu ferais pas un espèce d'ascenseur stylé avec des panneaux pour donner les différents étages, tu peux faire des, je sais pas, un ascenseur avec des hypertubes si tu veux par exemple. Pour qu'on puisse aller aux différents étages nous-mêmes. Directement, ouais. Ouais. Est-ce que tu fais un ascenseur central, est-ce que tu fais un... Je sais pas, vas-y. Tu peux le faire? Eh bah si t'as envie de le faire, vas-y. Ah vas-y, hein, Sky, c'était chaud. Hein. Si c'est ce que t'as... C'est ce qui... Si c'est pas un joli truc, hein, pas comme la dernière prod au dernier étage. Je me charrie à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est un summer sloop. Ouais, très bien. Et ton truc de summer sloop, là, qui rajoute de la puissance... Ça coûte cher à crafter ou pas? Deux secondes. Ok. Alors. Ok, tu disais. Je disais, ton summer sloop, la production électrique que ça produit, que ça génère, ouais. ça coûte cher à mettre en place? Je sais pas, on l'a pas encore débloqué, il me faudrait 50 computers pour ça, 50 ordinateurs. Non, je crois que c'était débloqué. T'es en train de mettre le jeu à jour, si? Ouais, tu vas voir. Puis l'ascenseur orbital, tout ça a changé, les menus, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés, ça c'est... C'est vraiment cool. Hop. Ah. Bon, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Ok. On a des tickets, ouais, sûrement. J'en ai 3 sur moi. T'en as besoin pour? Ouais, ça va être sûrement pour déverrouiller des trucs concernant des panneaux ou je sais pas quoi. Ouais, mais qu'il me dise ce qu'il a besoin et je lui achète tout de suite. Parce que j'ai de quoi construire un... Ouais, parce que t'es en bas, c'est pour ça. Je suis très loin là, je suis parti chasser des animaux moi. Dis-moi. Qu'il me dise ce qu'il a besoin et je lui achète. Par rapport à là-bas, j'ai construit combien? À combien du bord est-ce que j'ai construit? On va aller voir ça. Oh, mais attends, mais je vais choper une sphère là. C'est avec les sphères, hein, justement, qu'on fait les stockages de machin bidule. Ouais. Ok. Tout à fait. Et j'ai eu le succès de rebondir, là, ça y est. Le succès de rebondir. I just called the fix-it doctors. They told me there is definitely no danger from repeat exposure to these signals. In fact, okay. They said it is good for you. I apologize, but the call dropped suddenly, otherwise they would have told you themselves. The good news is you should run towards Hello. These strange and dangerous looking objects whenever you find them. Doctor's orders. Ok, très bien. T'entends des voix, Kate, hein? Ouais. Merci, son chat, pour le lurch. Ok, allez, c'est parti. T'as une coup de guitare avec les câbles de la DSL qui passe par la fenêtre. J'ai connu ça. J'ai aussi connu ça. Allez, j'entre. Du coup, tu m'as pas dit, Sky, pourquoi t'as besoin de tickets?
Et du coup, j'ai fait 20 succès sur les 44, hein. Pas mal. Hein. Ah, attends, par rapport à l'angle de la plateforme, j'ai mis mon entrée à... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 6, ok. Allez, let's go, on y va. 6. Wow. Je vais déjà construire, je vais voir plus tard. Ok, ça marche. Vas-y. Tu veux débloquer des murs, des trucs comme ça? Tu veux débloquer quoi, Sky? C'est on... beaucoup de choses, hein. Ouais, on n'est pas contre, hein. juste c'est de la curiosité en fait, moi perso. T'as une chaîne YouTube? Ouais, mais j'ai posté que 3 shorts pour l'instant et j'ai fait 0 vues, je crois. Ouais, des trucs esthétiques, ouais, carrément. Ouais, voilà, aucun abonné. Je suis en train de bosser sur une grosse. Une grosse vidéo. Faire 4 vues. C'est vrai. C'est totalement possible. Ah, mais franchement, alors moi, les vues sur YouTube, je m'en fiche complètement. Complètement. Alors attends. Si tu veux l'huile dans ce sens-là pour pas que ça bloque et que le truc arrive de l'autre côté. Il faut que ça parte par là-bas parce que sinon ça va nous gêner. Mais où passe l'arrêt comme ça? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. À toi de décider. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu veux, il y a de la place côté droit de la production au rez-de-chaussée? À droite des stockages, à droite des premiers stockages, tu vois, t'as pas mal de murs, puisque là, entre deux places, entre là et entre ici et là-bas. Tool belt expanded. No alien organisms were harmed during the creation of this tool belt. On a une place dans la main de plus. Cool, j'ai. Top. Pas mal, pas mal. Ce soir, tu comptes te coucher à quelle heure? Oh, pas tout de suite encore. T'as été fatigué déjà? Non, j'espère bien que tu couches pas ton sexe. Voilà, fais gaffe, tu bailles quoi. Ouais. Vous voulez vous battre? Ouais, commence à te battre, on arrive. Ouais, vas-y. Bien. T'emmerdes pas à faire propre, hein, ça va dégager après. Hein. De quoi? Quand je parle à Ricoeur. Ouais, mais bon, même tant que c'est temporaire. Ok, comme tu veux. J'aime bien que ce soit droit. C'est... Ah bah, je te comprends. C'est pour ça que je te dis, t'embête pas, fais comme tu veux. Si tu kiffes là, vas-y, let's go. Et t'as un dogo si tu veux, juste là. Ici. Là où ça, je vais le tuer. Non, tu le tues pas. Non, ah, tu vas, il a échappé, au coup de semonce. C'est bon. Ah, et on demande si t'as une sponsorisation de ta chaîne YouTube par Francine. Pour la farine. Ouais. De quoi? On demande si t'as une sponsorisation de ta chaîne YouTube par Francine. Attends, quoi? Parce que je suis pas devant le PC là. J'ai dit, on me demande si tu as une sponsorisation de ta chaîne YouTube par Francine. Non. J'ai 3 shorts qui sont postés sur mon. Alors. Sur mon YouTube, et celui qui a le plus de vues, à savoir le seul qui a des vues, il a 2 vues. D'accord. Je ne souhaite pas d'être sponsor de quoi que ce soit. On va avoir besoin des lingots de cuivre, déjà. Même ma mère voudrait pas me sponsor avec si peu de vues. On va avoir besoin donc des lingots de cuivre pour faire les fils. On va avoir besoin de lingots de cuivre pour faire les tôles d'alu. Et il y a la poudre d'aluminium aussi, c'est ça? Ouais, mais ça datera bien. Ah, mais il faut déjà prévoir aussi comme ça. Il n'y a rien d'autre qui utilise les lingots de cuivre. Alors, récapitulons. Ça va combien d'étages de fonderie? Le truc, c'est qu'on ne sait pas, parce que il y a des nouveaux items qu'on ne connaît pas. Ouais, mais les nouveaux items qu'on ne connaît pas, ils vont utiliser des items plus compliqués, je pense, quand même. Je pense, hein. Ouais.
Je sais pas, mais je pense. Ah, attends, comment elle passe l'arrêt là? Normalement, elle tombe derrière. Hein. Du coup, qu'est-ce que je peux faire moi là? Tu peux choper des disques durs, choper des trucs à droite à gauche, partir. Il y a déjà un disque dur qui est en scan. Ah, non, mais elle est enfermée. On n'a pas de cristal de quartz? Non. Un peu. Des cristaux de quartz, bah j'en ai quelques-uns, mais j'en ai besoin pour faire de recherche. Enfin, j'en ai besoin pour faire des cristaux tal oscillator pour faire une recherche. Mais tiens, vas-y, prends ceux que j'ai. Derrière quoi? Alors tout à l'heure. Non, je vais aller rechercher du coup. C'est ça que je vais faire. Et sinon, ce que tu peux faire, Dragnix, c'est que tu peux déjà faire la partie droite du bâtiment là, sur les lignes de prod, là pour faire. L'avant et puis le côté, hein. Si tu veux faire propre. Ou est-ce que tu veux attendre un peu plus tard? Là, tu peux commencer à build de maintenant. Hein. Et ça va t'occuper un petit moment, mec. Hein. Mettre les fenêtres, tout ça, machin bidule. Justement, le truc, c'est qu'on a rien. Sky. Il faudrait beaucoup plus de tickets. Il manque quoi, là? Enfin, il te manque quoi pour pouvoir build et tout? Parce que j'ai l'impression qu'on a débloqué déjà pas mal de trucs, tu le disais tout à l'heure. Oh, attends, je me mange arrête, je reviens juste après. Ouais, ouais. C'est bien d'avoir quand même pas mal de trucs. Oh. Tu n'ouvres pas un bel ascenseur, Sky? Non, ça. Ah, tu fais t'es parti sur un format carré. Ok. Ça marche. Alors, hop, production. Donc on va faire. Tente des choses pour l'instant. Ok, d'accord. Importante. Attends, je suis peut-être en train de m'enflammer là. Il y a le séparateur à mettre au milieu, ça va jamais passer. Ouais, ça, ça va, impeccable. En fait, tickets, il me faut pas quelques tickets, il me faut beaucoup de tickets. Donc moi je sais ce que je vais faire. Hop, tac, tac. Sur une mine d'uranium et tu signes que l'uranium directement, ça va faire quelques tickets. Notre truc de Sam Or là, EME pour ceux qui jouent en français, je vais la doubler parce qu'elle était qu'à 50%. Je vais mettre du. Ça fera pas de mal. Bon, du coup, pour ceux qui étaient sur live de Mutated, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Parce que. Ah, il y a le petit Mutated qui est venu trade. Le petit Mutated qui est venu raid. Comment qu'il va bien? Poutres, ça y est, c'est bon. Ah bah il a activé le fly pour pouvoir build, il a dit, donc bon. Ça y est, c'est parti. Ça ah y bah est, il est parti là. Il se sent mieux. Ah, moi j'avoue là, sur la sauvegarde solo que j'ai commencé, je me bride, mais ça manque tellement de voler comme dit vraiment. Quand il a pris goût pendant des centaines d'heures. Je le comprends, c'est ça. Putain, j'ai l'impression d'être trop reculé là. Bon, c'est bizarre l'échelle. Ah, mais il a déjà construit une échelle. Des bisous, Mutated, bonne nuit à toi. Ouais, on s'est tous fait spoil sur la gueule GameK6. Pour ceux qui étaient chez Mutated, comment ça s'est passé là-bas? Ah, mais c'est du béton. Il faut du béton? Eh bah tiens, je t'en mets dans le...
Attends, j'essaie de choper l'arrêt. C'est bon, j'ai pu la caresser de loin. Tricheur. Ouais. C'est ce qui arrive au tricheur ? Non. Il gagne. Ouais, c'est pas faux. Tricheur que tu comprends pas. Non, c'est gagne. Vous allez voir. On va voir, on va voir. Ok. Entre nous. Alors, du coup, béton. Ah, et toc. Je pense que le béton, ça vaut vraiment le coup de mettre un stockage quantique, là. Comment ça s'appelle ? Stockage dimensionnel. Un relais de dépôt dimensionnel. Peut-être, ouais. Salut, Papadaki, ça va ? Carrément. Si t'as les ressources, ça peut être pas mal, hein, sur ça. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais bon. Et un peu de soufre là, tiens, tu veux du soufre toi ? Non, c'est bon. Okay. Et c'est même pas du soufre, c'est du calcaire. Un magnétron, il en a fait un. T'as essayé de m'arnaquer sur la marchandise ? Il a mis un coup de peinture, il a fait ah, si c'est du soufre, tu veux mon soufre ? Il est bon, il est bon. Il a essayé de m'en dealer. C'est du soufre de 12. La forme, impeccable ça. Je vais aller, allez, bonne nuit tout le monde. Des bisous, son chat, bon courage pour les cours demain. Alors. On fait du béton armé, pas encore non. Non, encore. À la main seulement. De toute façon, même si c'était le cas, on pourrait pas faire du MK4. 6, 7, 8, 9. Ah, mais de toute façon, les poutres en béton armé, ça sert dans plein de recettes. 6, 7. Oui, mais pour l'instant, ça sert à rien. 11. Quel genre de booster ? Non, faut que je te montre. Ah vraiment. Oui, ok. Je croyais que tu parlais de ce match. Je commence à avoir peur. T'as dit quoi ? Non, non, je monte le son de Ricoeur parce qu'à chaque fois ça chuchote. Mais là, c'est bon, j'ai bien fond. Bah, j'y peux rien, c'est calme chez moi, donc je parle pas super fort. Ah, mais j'ai pas de problème avec ça. C'est juste pour le coup, c'est que Discord. Tu veux, on peut crier après, hein ? Discord, en fait, j'ai toujours eu un problème. C'est que même en ayant la détection micro à fond. Mon son reste faible. Alors que pour les streams, sur j'ai pas de problème. Je peux te poser une question, Ricoeur ? Est-ce que t'es en train de jouer avec une clope à la bouche, là ? Alors là, j'avais un crayon à papier dans la bouche. Ah ouais, j'étais en train de prendre des notes. Ouais, j'étais en train de me dire. Il y a une vocable bizarre. J'étais même un stylo bille, si tu veux, mais. En fait, je veux bien. Je m'aperçois que j'étais en train de parler et que j'enlève le stylo. Non, mais ça m'a pas dérangé, hein. Mais j'avais un doute et je voulais juste en être sûr. Ok. Donc là, on a bien nos 20, puisque j'ai fait 2. On est palier combien ? Alors, on a fini le palier 4. Donc là, il faut qu'on passe au palier 5. Mais pour ça, il faut finir à phase 2. Et on n'a pas envie de rush. On a envie de vraiment faire les usines parfaitement complètes avant de passer au palier sûr. Ouais. Donc là, bah, on fait vraiment toutes les usines de cuivre, de moteur et tout ça. Et après, on passera à la suite. Ouais, là, il y a du taf, hein. Il y a du taf parce que au début t'as énormément de ressources différentes. Après c'est un peu plus simple je trouve une fois que t'as fait les prods principales. Mais les premières prods. Voilà. Mais là donc déjà on produit à balle jusqu'au cadre modulaire, déjà ça tourne bien là, donc c'est cool. Si tu compares au mode Satisfactory Plus, c'est easy le Satisfactory Vanilla en comparaison. Oui je sais. Ouais, mais quel est le pourcentage de gens qui ont déjà testé le. Ah, ça me dit rien. Hein.
ce qui est mode, moi je suis pas un super fan. Ça change l'esprit du jeu dans lequel les développeurs l'ont conçu et je trouve que c'est dommage. Bah, Satisfactory pour le coup, c'est même plus qu'un mode, c'est un overall complet puisque ça te rajoute des machines. J'ai une mauvaise nouvelle. Non. Vous voyez l'araignée géante qui était dans la caverne ? T'inquiète, tu t'en souviens ? Ouais. Eh ben, elle est à la surface. Eh ben, elle va te tuer. Eh ben, on va la défoncer. Bah, vas-y, je la ramène à la base. Je la vois d'ici, je crois. Elle est entre les deux. On me met des coups de pression ! Bah, oui, tu comprends pourquoi je gueulais ? Tout à l'heure, je m'en suis fait une, elle m'a sauté dessus. Je l'ai tué en 3-4 coups. Ah mais elles sont pas super résistantes avec 4 coups de basher, mais elles font super mal. 4 coups de quoi ? Des sabres laser, comme ça s'appelle en français. Non mais c'est pas les petites araignées, c'est les araignées énormes. Les cognes Xenos. Ouais, c'est ce que j'appelle les spitters, les crashers. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai des frises à chaque fois que je fais un altab maintenant, c'est quoi cette merde ? Effectivement, ouais. Je te vois faire du surplace là sur le convoyeur à certains moments. Les graphismes ils ont baissé. Ah, what ? Les graphismes ils ont baissé ? Mes graphismes ils sont passés en moyen, je me disais aussi, il y avait un truc bizarre. D'accord. Et pourquoi t'as fait ça ? Bah, j'ai rien fait moi, ça s'est fait tout seul. Ouais, je me doute. C'est nous qui avons réussi à rentrer dans ton PC. On a modifié les infos. On t'a hack, mec. Ouais, bah on t'a... Ouais. C'est le gang de la farine. Tu peux rien faire. Oh, pardon. Bonsoir, Rome. Salut, Aliendon. Hello, je viens d'arriver. Ça fait quoi les conteneurs dimensionnels ? Alors, les conteneurs dimensionnels... Tu te défends bien vite. Attends. C'est bon. Les conteneurs dimensionnels, en fait, ça te permet d'avoir un stockage ici. Je me baladais, tout le monde peut mettre des stocks dedans, d'où on est. Et tu vois, par exemple, si je prends, il y en a qui est en train de mettre du béton, et moi, je peux l'utiliser. J'ai rencontré un cochon géant. Non, il y a pas de problème, Roms. Ouais. Sympa. Le truc, il arrive à côté de moi, il s'arrête. Au lieu de taper dessus. Tu vois, si je veux du charbon quoi que ce soit, je peux demander à n'importe qui de le mettre dedans, et hop, je l'ai. Et tu veux savoir un truc sur eux aussi ? C'est vraiment pas mal. Ça te permet de trade. Ouais, c'est vraiment nice. Ouais, quand tu joues en multi, c'est vraiment génial. Ou même de ta base, tu peux tout simplement mettre un stockage dimensionnel, mais tu peux pas en avoir beaucoup. Mais tu mets un stockage dimensionnel avec les ressources pour crafter de base dont t'as besoin, directement de tes prods, et t'es alimenté tout le temps. Ou t'as même pas besoin d'aller chercher de ressources. Ils vont te lancer des rochers à la gueule. Ah oui. Oui, effectivement, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. Voilà. Mais et tu peux pas leur faire le glitch de tu fonces dans le vide et après ils sautent par-dessus la falaise. Ils peuvent s'arrêter instantanément. Ouais. Au bord de la falaise. Et t'en as qui rayonnent de radioactivité en plus. Mais il a dit que c'était sur ça qu'il était tombé. Ouais. D'accord, désolé, j'étais en train d'expliquer au chat ce que c'était que les stockages de relais dimensionnels. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est ça, justement. Ouais. C'est ça. Ouais. Complètement, ouais, tout à fait. Quel est con. Sternement. Ça va, là, tranquille, hein. Tu t'appelles Sternement ? Ouah, c'est humour. Ne te sens pas concerné. Oh non ! Je l'ai reroll et je suis tombé sur la peste ou le choléra. C'est-à-dire ? J'ai refait un... Ouais, une recherche. Une recherche sur le même disque dur. Mmh. Et je suis tombé sur un bois, il y a 10 de charbon, ou la recette alternative du mineur automatique portable. Ils l'ont laissé, la recette automatique du mineur automatique. Oui, il y en a même deux, je crois. Ils l'ont changé, ouais, mais... Bon, bah du coup, je suis obligé d'en prendre les deux, j'ai pris le mineur automatique, mais... C'est bien le seul truc que j'ai jamais testé de... d'automatiser. Non, moi c'est l'uranium, j'ai toujours Bah, l'uranium, tu le fais pas ? Bah, tu te souviens pas de ce que je faisais ? Non.
Le turbo fuel, ça te rappelle rien. Si, turbo fuel, oui, mais ça répond pas à la question de l'uranium. Bah non, j'en faisais pas parce que. Pas eu le temps. Ah, j'aimerais sortir avant. Moi j'ai hâte qu'il y ait des trains, les mecs, hein, je vous le dis. Hein. Les trains? Ouais, j'aime bien avoir les trains. Ouais. J'aurais aimé qu'ils nous mettent des paquebots dans le jeu là pour tout ce qui est flotte, mais ils l'ont pas fait, je suis deg à cause de ça. C'est le pas dans les trains? Mais non, pas dans les trains! Je te parle des paquebots dans les véhicules. J'aurais bien aimé, tu sais, un paquebot, genre un bateau très lent, mais qui transporte énormément de ressources. Tu vois, comme il y a plusieurs mers et tout, j'aurais trouvé ça super stylé. Ah, bah écoute, hein. Il n'y a pas. C'est dommage. Tristesse. Je suis tristesse. Oh, les pylônes électriques et les accumulateurs, ok. Ok. Toi, tu t'en sors, Ketz? Ouais, je suis en train de poser les bases. T'es en train de poser les bases de notre relation? Les bases de la base. Ah, ce sera la base, pas... ce sera pas le... Hein? De quoi tu parles? Ce sera une base, du coup? Bah, là où je suis, oui! C'est les trucs cuivre. Ah, mais c'est une usine, c'est pas une base. Ouais, si tu veux. La base de la base, c'est une expression. C'est le début du commencement, comme dirait l'autre. Ça part d'ici, quoi. Ah ouais, l'autre, ça, je trouve que t'as un langage bien cru. Hein. Tu m'habitueras mieux. Tu n'es ni non point, je suis statué au niveau de mes propos. Ma verbe te déplaît? J'ai rien compris, mais très bien. Je te demandais pourquoi t'étais aussi vindicatif. Et est-ce que mes propos te rendaient vaditudinaire? Nonobstant, tu me préviens. Tout à fait. Ouais, c'est pas faux. Contre nous. Contre nous. Ah, ok, on est bon. Bande d'abrutis. Excuse-toi. Pas dans le bon sens du terme, hein. Oui, bande de chenapans, sac qui pend. Bande de chacal. Le mec, il a pas compris. Bande de calembours. Galéja, ouais, débile vesé. Je trouve que tu parles loin, la quête. Oh, bah quoi? Calembours, je trouve que tu vas fort. Le pauvre, il a pas mérité d'être insulté de la sorte, hein. Alors, je sais pas de qui tu parles. De Karl Hambourg ou Calembour? Les deux, justement. Je trouve que tu manques de considération. On en a gros. Parce que moi, j'aimerais bien être considéré en tant que tel. En tant que tel. Parce que tu nous utilises bon gré mal gré, contre notre volonté. Oui. Exactement ça. Bon, moi, je trouve pas la clé de voûte, ça commence à m'énerver. J'ai des bugs avec les connexions électriques, là, j'arrive pas à reconnecter un constructeur. Oh, moi, je suis juste... Bah, il est peut-être plein. Non, c'est le constructeur qui transforme l'EME en EME activé. Ouais. J'ai un poteau juste à côté, je clique et il me dit aucune ligne disponible. Bah, c'est qui est plein sur 4. Ah. Bah il est peut-être pas actualisé, ça arrive des fois, tu sais, t'as des petits problèmes d'actualisation. Allez, attends, on monte. J'y pense. Je vais faire pareil que Sky, je vais des Coroco pour voir si ça règle le problème. Skyfall. Là j'ai mis des câbles dans le stockage commun là. Dans le cloud. Je me dis des câbles, on peut toujours en avoir besoin. Je vais mettre des bobines aussi pour ceux qui construisent. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on peut mettre tous les types de ressources, mais juste pour en mettre 50 quoi. Ouais, bah c'est bien quand tu joues en multi en fait. Hein. Mais c'est complètement fait pour le multi ça. Hein. Ça c'est complètement fait pour le multi.
6 temps, ça me fait 3 stacks. En fait, il considère que le constructeur n'a pas de connexion active. Écoute, retire-le, remets-le. Je sais pas là. Moyen que ça résolve ton problème. Sky, est-ce que tu peux m'écrire combien de fondations j'ai mis d'espace entre les stockages des minerais de fer et le mur entre les minerais dans le support convoyeur? Je crois que c'est 2, non? C'est ça? T'es en train de miner du quartz, merde. Y'a personne là-bas? Si, j'y suis. Ah, je veux bien. Te répète. Combien tu as de fondations entre le stockage des minerais et le mur? Et le mur? Bah, à l'entrée, tu veux dire? Oui. Je crois que c'est 2. Oui, je crois que c'est 2, non? Je vais voir. Normalement, ouais, t'es pas très loin. What? C'est 2? Ouais. Ok, merci. C'est entre 1, 2, donc c'est bien le stockage ici. Hop, c'est bien. Oh! On la sent toujours pas, hein, l'autosave. Hein. Non. Oh, à ce stade-là du jeu, ça devrait encore aller. Hein. Ouais, mais faut pas oublier ouais, qu'on a les 4 aussi. Habituellement, on a toujours au moins un micro-lag pour celui qui host. Et là, j'ai rien du tout. Hein. C'est vrai. Rien, rien, rien. Que dalle. Uchi, walo, nada. 4, je vais mettre comme ça. Podzob. Podzob, ouais. Podzob. À l'ancienne, ça, Podzob. Ouais, c'est clair que c'est vieux. Ah, ça me rajeunit pas tout ça, hein. C'est deux. C'est bien ça. À l'époque de Tintin. Bon. Ça me fait penser à la voix de Ruel dans Wakfu. Ouais. À l'époque de Tintin. Pourquoi l'époque de Tintin? Ouais, c'est le genre de langage qui était beaucoup pas Tintin, Titeuf. Ouais, merci. Oh là. Ça se voit que je suis fatigué. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive à être fatigué comme ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive à être fatigué comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, mon bichon? Explique-moi, tiens, alors. J'ai pas fait de pompe depuis longtemps, là. Ah, bah voilà. C'était bon pour ça. Est-ce qu'on a du cuivre pas loin? Ou est-ce qu'on va galérer à aller le chercher? Oui, c'est une excuse, et alors? Ok. Allez, on cherche! D'accord. Il y en a un qui est là-bas. On en a deux là-bas. Très bien. On a deux là-bas. Donc on va les mettre là et là. Ok. Yo Eric. Ça fait un petit moment qu'il arrête, ouais. Hello. How are you? Comment est-ce que tu vas? Alors, il est là-bas. Et mince. YOLO! Du coup, il va y avoir que deux tours pour le faire? Non, pour l'instant! Ouais, non, mais là, c'est deux tours, mais il va y avoir. Ici, à cet endroit-là, il n'y en aura pas une troisième, parce qu'il y a trois, puits, c'est pour ça que j'ai ça. Pour l'instant, qu'on en fasse déjà deux complètes, on sera déjà pas mal. Hein. Honnêtement, si on a deux lignes de production complètes sur tous les étages du fer là qu'on a préparé, on est déjà large, hein. Pour le début, hein. Super large pour le début. Hein. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas faux. J'ai l'impression qu'il y a quelques micro-lags. Pour toi? Ouais, mais vraiment très très léger. C'est à cause de Sky, ça. Bah, en même temps, le ciel, c'est dur à charger. Bon, c'est tout ce que c'est toi qui consomme le plus, hein. Bah, c'était clair. Hein. Non, mon PC, il a bien mangé à la cantine, hein. Alors,
ça je mets là-dedans. Il demande beaucoup d'énergie. Allez, on part déjà sur du 150 par minute. On va déjà mettre du MK3 directement. Oula, s'il y en a un qui est proche du stockage pour me balancer du MK3, je prends. Non, j'en suis très loin. Je suis à côté, je vais t'envoyer ça. Merci. Ah ok, seul ça va vite fait, mais on s'en fout. Là, ça, c'est du provisoire. Provisoire de... Voilà, il y a 600 en cours d'envoi. Merci. Le jetpack, par contre, ça... Ça va me changer. Ça va être cool. Ça va être cool. Mais attends, j'ai l'impression que j'ai encore des problèmes de bruit ambiant, comme hier. J'ai plus les bruits ambiants. J'ai les bruits de... quand je... Non, j'ai plus les bruits quand je marche, non. J'ai le même bug qu'hier. C'est bizarre d'ailleurs ce bug, non. Ah, possible. Ouais, non, mais je te confirme. Donc j'ai activé le... dans les options audio. Je vous conseille de le faire d'ailleurs. Vous allez dans les options audio et vous activez son directionnel pour les malentendants. Ça vous met un message en fonction sur l'écran en fonction de la bestiole qui vous charge. Et la direction d'où il vient. Donc des fois quand on entend grogner, qu'on sait pas trop où c'est parce qu'il y a plein de végétation ou plein de points de retour, et ben c'est bien pratique. Oh merde, j'ai oublié un truc. Si vous avez remarqué, bah, pour tous les items extraterrestres, enfin aliens, de technologie alien, dans l'inventaire, l'icône il bouge de temps en temps, il se brouille. Oui, le Summer Sloop, tout ça, bien sûr. Alors, T'as oublié quoi, Quête? Tant pis, on va se démerder. Alors, je peux prendre la hauteur, là, ici. Ok. J'ai pas aligné l'usine sur la grille monde. C'est le ticket dans le mix. Pourquoi ça parle de moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? On me demande si tu peux lui envoyer des tickets. Des piquets? Des tickets! Des tickets. Je t'ai envoyé tout ce que j'ai là déjà. On fait par celle-là. Et celle d'à côté. Ok. D'à côté, par rapport à ici. Donc celle du milieu à 9. Celle du milieu à 9, elle est là. Donc en fait, il faut que je monte de là. Hop, 4, 2, 3. Juste à côté. Donc en plus. Pourquoi le sol il s'est dérobé sous mes pieds? C'est pas de ma faute là. Je suis loin. Hop. Je vais mettre ça comme ça ici pour l'instant. On fera le passage propre plus tard. Et hop. À toutes, je vais faire un tour. Salut papa Daki, voilà. Des bisous. Salut papa. Alors, il y a du courant électrique qui est pas loin, donc on va pouvoir l'utiliser. À mon avis, le MK6, même quand on va courir dessus comme des bois, on va partir en marche arrière. Ah ouais, parce que même le MK5, là, fallait y aller en trichant un peu avec la glissade et tout. Juste en marchant, tu pouvais pas déjà. Yeah. Ah ouais. Je les ai mis dans le stockage. Je t'ai dit. Mais il y en a qu'un seul. Ouais, il y en a qu'un seul. Okay. On a fait qu'un seul ticket depuis tout à l'heure. Non, pas beaucoup. T'en avais pas trois devant. J'ai dû acheter un truc. Ok, ça marche. Ok, donc on va comme ça. Donc du coup, je vais aller chercher du quartz. Avec tout à l'heure, ça marche. On avait besoin. Ouais. Yes, c'est okay. Toujours d'actu, mais bon, là, je suis en train de faire l'usine de fer. Il a fait vraiment pareil que l'autre, hein. Ils sont pas embêtés.
De quoi? Le taquine. Il fait là vraiment pareil que l'autre, qu'on soit pas embêté. Bah ouais, mais bon, ça aurait été malin de faire Mais personne t'empêche de faire un blueprint. Si, c'est trop tard. Vous avez commencé sans, je m'indignerais de faire ça avec. Non, c'est surtout que l'étage là, il était à moitié commencé, donc je vais pas faire un blueprint pour un étage qui était déjà à moitié fait. Bah, disons que c'est le même setup pour le cuivre, c'est le même setup pour le catérium. C'est pas une mauvaise idée du tout, hein. Ouais. Même, bah là, je finis mon étage et je le ferai pour les autres. Ah, si tu veux. Quand il y aura besoin de refaire les fours, je le referai. Ou alors, si je suis en train d'en faire des fours. Je suis en train d'en faire des fours, justement. Ah, mais là, le souci, c'est que je suis juste en train de finir l'électricité de celui que je suis en train de faire. Je n'ai pas de problème à ce que tu le fasses plus tard. Je te dis juste que... Je répondais juste au fait que tu disais, en gros, que c'était pas probant de le faire. Et je t'apportais une contradiction en disant que si, finalement, c'est pas mal. Yes. Ici, on est aligné. Tac. Là, on est bien. Ok. Ok, c'est bon, ça peut être. La sortie est du bon côté, on est bien. Je pensais pas quand même que les parachutes ils serviraient autant. Ah bah ouais. C'est vraiment. J'ai été surpris aussi la première fois. Ouais, ouais. En fait, au début j'ai été surpris de leur utilité, mais c'était stackable et c'était pas réutilisable. Donc c'était très vite très chiant. Parce qu'en plus le missilium au début, bah quand tu connais pas le jeu, c'est chiant d'en avoir. Ouais. Faut connaître les spots. D'accord avec toi. C'est pour ça que j'utilisais jamais, parce que je me disais pas trop l'utilité. Mais depuis peu, comme c'est stackable, enfin comme c'est... Enfin l'item. Voilà. Bah t'as juste à connaître l'emplacement de la grotte et c'est fini en fait. Ouais, t'es tranquille. Hein. Après t'es tranquille. Exact. Ok, ça se stoppe. C'est bon. Alors, MK3. On va tout faire ensemble d'un coup. De là à là. De là à là. De là à là. Donc, 270, moins 60, 210. 210, 150. 150, 100, ça fait 90. Donc, MK2. Et puis après, okay. C'est 30. Ok. En plus, le blueprint, t'as juste à le reprendre. Tu le mets à côté de toi. Tu mets direct les recettes et elles sont déjà mises en fait. Bon, faut faire gaffe du coup, mais. Bon, au pire, si t'as juste les recettes à remettre. Mais si t'as des. Comment ça s'appelle? Des valeurs un peu bizarres. Bah, c'est quand même un peu pratique. Oui, non, mais c'est pratique pour plein de trucs. Hein. Faut juste pas te planter quand tu les mets. Et puis c'est bon. Hein. C'est ça. Surtout que tu peux faire de les caler les uns avec les autres. Directement. Guy, tu t'en sors avec ton ascenseur ? J'en ai aucune idée. Ouais, il est content de ce qu'il fait pour l'instant. Bah écoute, si t'es content de ce que tu fais, on essaiera de pas le détruire tant que t'es là. Il a pas tort. Yes. Hop.
deux sont connectés comme ça, là c'est bon. Ok. Alors. T'as une bande annonce toi pour ta chaîne Twitch? Ouais. 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 Je crois que tu c'est Sky. Non, je crois que c'est Sky qui me l'avait fait justement. Je cherche à en faire une, mais je sais pas du tout comment la faire. C'est quoi la bande annonce pour ma chaîne? Ouais, bah ouais, est-ce que les gens ils verront en premier en arrivant sur la chaîne quand je suis pas en live? Alors, je sais plus qui l'avait fait. Alors, on arrive à monter assez haut. Ok, voilà. Par de là. Un ancien modo de mémoire. Ouais, je sais plus qui me l'avait fait. T'as déjà dû te séparer de Modo, toi? Ouais. Ouais, à un moment, j'ai dû virer la moitié du staff d'un coup. Pourquoi? Ça fait pas plaisir, mais y a des moments où t'es obligé. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, mais comment ça se fait? Parce que t'as un Modo qui a commencé à lancer le truc de... En gros, il fallait que je le fasse comme eux, ils voulaient, etc. Je leur dis, écoutez, votre avis, je l'écoute, mais c'est quand même ma chaîne Twitch, je décide quand même de ce que je fais ou pas. Et ça commence à partir en sucette, genre, ouais, c'est de la dictature. Non, mais allez vous faire foutre, quoi, je vous demande pas. Ah oui, puis c'est même au-delà de ça. En fait, moi, mes Modos, je les rémunère. Je les rémunère d'une certaine manière. En gros, je leur offre un jeu par mois, deux jeux par mois, et ils décident entre eux qui prend quel jeu. D'accord? Ils se mettent d'accord. Parmi une liste que j'établis, ils se mettent d'accord entre eux. C'est un coup d'état. Ouais, c'est ça. Donc, et en fait, je faisais des giveaways pour les viewers, tu vois, en live. Et t'as un Modo qui gagne une fois. Alors, au début, j'avais pas interdit au Modo, tu vois, de jouer, mais je me disais, bon, bah, il gagne une fois, ok, d'accord. C'est cool. C'est que tant mieux pour lui, tu vois. Il était présent, tant mieux pour lui, tu vois, c'est cool. Mais à la base, c'est pour les viewers. Eux, ils ont déjà des trucs, tu vois. Il gagne une deuxième fois, quand je l'avais fait en 24 heures. Je lui dis, ok, putain, c'est bon, c'est cool, tu vois. Il gagne une troisième fois, sur un troisième truc que je fais. Et je lui dis, écoute, t'as déjà gagné deux fois, c'est bon, quoi. Je laisse tourner aux autres. Et là, ils m'ont tapé un scandale en disant, ouais, c'est inadmissible, machin, milieu. J'ai dit, écoutez-moi bien, c'est... J'aurais dit, vous êtes Modo, mais c'est bon, il y a des limites, quoi. Donc, c'est pas non plus tout pour les Modos, quoi. Donc, un peu participer aux autres, tu vois. Je me dis, t'as gagné une fois, ok, c'est bon. T'as gagné deux fois, ok, c'est bon. Et trois, arrête, quoi. T'es là pour ça ou quoi? Donc, il en a engrainé un autre, deux autres. Il en a engrainé deux autres. Et une fois qu'il a engrainé les gens, lui, il fermait sa gueule et il laissait les autres parler. Et j'ai trouvé ça complètement mesquin et abusé. C'est lui qui a lancé le bordel, et en plus, il assume rien du tout, il laisse les autres parler, il se démerdait à sa place. Donc les autres, je leur ai juste dit, eh ben écoutez, vous êtes plus Modo, et celui qui avait lancé le truc et qui a fermé sa gueule après pour laisser les autres parler à sa place, je les banne. Donc, je les banne parce qu'ils assument rien du tout. Et j'ai laissé dans notre chaîne Modo l'entièreté de la discussion. Ils sont encore là, les bougs? Non, j'ai, non, ils viennent plus. Mais j'ai laissé la discussion complète dans le fil des Modos. Au début, je me suis dit, est-ce que je l'enlève ou pas? Et après, je me suis dit, non, je le laisse pour que les gens voient. Au moins que la modération le voit. Ça, y a pas de problème, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble logique, je sais pas. Vous auriez fait quoi? Vous auriez laissé gagner les Modos trois fois de suite, sachant qu'ils ont déjà un truc? Je sais pas. Moi, ça me semblait abusé, quoi.
Ouais, je vois d'autres chaînes, généralement la modération est exclue des giveaways. Après, bon, ça peut être aussi un accord entre le streamer et les modos. Bon. Ouais, après, il y a de tout, hein. Il n'y a pas de règle établie, mais bon. À partir du moment où ils ont des giveaways qui sont réservés pour eux et qui se mettent juste d'accord entre eux, j'ai pas 400 modos non plus, tu vois. J'en avoir en tout, je vais en avoir 6-7. Vas-y, vous êtes adultes, vous êtes grands, vous mettez d'accord, quoi. Donc, ouais, parce que ce que j'expliquais pendant que t'étais pas là, c'est que... Ouais, je suis désolé, j'ai reçu un sub. C'est pas grave. C'est ce que j'expliquais pendant que t'étais pas là, c'est que le giveaway en question, en fait, t'as un soir, t'avais fait un 24h, et t'as un modo qui gagne une fois, donc ok, alors que normalement, il participait pas, mais bon, il a gagné. Je vais être cool, je lui laisse et tout, et puis quand un deuxième giveaway, il gagne une deuxième fois, et puis sur un troisième giveaway, il rejoue encore et il regagne. Et je lui dis, allez, stop. Et je lui dis, non, le troisième, je te l'envoie pas. Il dit, non, je fais un autre tirage de sort. Pour que ça te prenne, quelqu'un d'autre. Parce que t'en as déjà eu deux. Donc, plus ceux que tu peux avoir que les autres ne peuvent pas avoir. C'est bon, quoi. Ouais. Et donc, il a lancé une révolte. Et une fois qu'il a lancé sa révolte, et ben, il a laissé les autres modos gueuler. Et lui, il a bien fermé sa gueule, tu vois. Il a juste lancé le truc, tu vois, et après il a rien assumé derrière. Donc comme j'ai expliqué, les deux modos qui ont commencé à gueuler, bah je les ai retirés de la modération. Et lui il a pris un ban. Ok. Et j'ai laissé dans le chat modo la discussion entière pour que les gens voient quoi. Et j'en ai pris vraiment plein la gueule quoi. Oh bah oui, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Mon avis. Je sais pas, je suis modo sur quelques chaînes et quelques Discord, j'ai jamais rien réclamé ni reçu pour le faire, je trouve ça clairement abusé de grinder les giveaways des viewers. Je suis d'accord avec toi, Fargos. Je suis d'accord avec toi. Mais encore, tu vois, s'il en avait jamais, je dis pas. Mais je fais ce que je peux. Après, ça dépend, si c'est des petites chaînes comme nous, c'est pas pareil que si c'est Squeezie ou Gotaga, tu vois. Non mais même sur le principe, tu vois, tu fais un giveaway pour les viewers, et déjà les modos, ils ont des giveaways. Qui vont entre chaque mois, tu dis stop quoi. Et puis à partir du moment où les mecs ils disent ouais, mais non, mais moi je suis pas d'accord, tu préfères ton système comme ça, tu fais ci, fais ça. Hey mec, c'est ma chaîne, tu veux faire un truc, tu ouvres ta chaîne. T'es modérateur, t'es pas payé. Hein. Donc, elle me dit oui, mais nous on est modérateur, mais on est des viewers lambda. Je dis mais non, justement, vous êtes pas des viewers lambda puisque vous êtes modérateur, ça n'a rien à voir. Oui. Donc, gros désaccord sur le principe, et donc après en avoir pris plein la gueule et essayer d'avoir calmé le jeu pendant un moment, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire et que de toute façon c'était en mode règlement de compte et on râle et on râle et on râle, j'ai dit à partir du moment où il n'y a pas d'accord possible, on peut pas discuter, et ben écoutez, puisque vous n'êtes pas en démocratie, et ben on va faire mode taliban. Ceux qui sont pas d'accord, ils dégagent. Pam 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 pam. Allez hop. Et donc du coup, je vais virer la moitié de la modération. Je suis modo sur deux chaînes certifiées. 3 Discord, dont un de 700 personnes. Ok. Ouais. Non, j'ai dit un commentaire dans le chat. Et lui aussi, il trouvait que c'était abusé de grinder les giveaways des viewers. Il y a Papy Angélien dans le chat et il dit tu fatigues. T'as toujours pas fini la phase 2. Non, je fatigue pas. C'est la faute de Dragnix. Moi, c'est toujours ma faute. Hein. De toute façon, je suis un vrai connard. Ah, ça, j'ai pas relié encore. Attends, ça, faut que je m'en occupe. Par contre, je comprends pas trop là. Dis-moi. On fait 2 usines, t'es d'accord avec moi là ? 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Comment ça se fait que la. Enfin. On fait 2 tours pour le faire. Sauf que ça va être le même bâtiment au total. Oui, ça va être le même bâtiment, mais dans les faits, il y a 2 tours. Ouais. Ok. Il y a 2 arrivées de fer, on est d'accord ? Ouais. Alors pourquoi les 2 arrivées de fer arrivent à alimenter parfaitement la première tour ? Bah parce que la première tour, tout est équilibré dedans pour consommer exactement le minerai qui arrive. La deuxième tour, elle va servir à ramener d'autres minerais pour réalimenter parfaitement tout ce qu'on consomme dedans. Ah, c'est bien pensé quand même. Ok. Allez. Passons. Nous, on n'a jamais de salaire. Il est où notre giveaway, hein? On travaille pour toi. Il est pas pour moi là. On travaille tous ensemble. Ah merde, putain. Il a des bonnes excuses. Non, il a pas lu les petites écritures sur le contrat. Ah ouais. mais chaque fois je me fais avoir. Ah ouais.
Ah ouais, je le... Ah non, l'ascenseur. Ah, je croyais que tu me parlais de l'ascenseur orbital. À l'ascenseur orbital, là, il n'y avait pas de question. Ton ascenseur à toi, je sais pas, j'arrive. Ouais, voyez ensemble. Là, ça a l'air assez cubique. Faudra voir avec d'autres types de portes, des fenêtres, peut-être, des trucs comme ça, voir. Des parties fermées, des parties ouvertes. Il y a 6 étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages. Plus, il faudra prévoir une arrivée sur le toit pour les drones à long terme. Donc il y aura 9 étages. Bah du coup, ouais, j'aime bien. Il y a des trucs à changer, mais... Mais là, le souci, c'est que... Ouais, même un peu plus que 2-3 trucs, puisqu'il te manque 2-3 entrées. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire un truc carré, vous pouvez essayer de faire un truc en diagonale ou en... Oh bah t'inquiète, hein, moi j'ai déjà mon plan prévu pour l'extérieur. Ouais. Et pour l'intérieur... Je te plains d'avoir un père aussi méchant que ça, et qui te reproche que c'est de ta faute, vilain caca. Ah ouais, bah... apparemment t'es mon père, et apparemment t'es un vilain caca. Ah mince, encore. Tiens. Donc c'est derrière, on va dire. Papy, franchement, t'as les mots durs ce soir. Les dents. Ouais. On va se mettre ici. On va faire le 3. Ici, on met le 4 pour plus tard. Ici, on va mettre hop, les stockages. Alors, non réaliste. Ah ouais, carrément. Hop. Parce que moi, il est encore trop tôt. Ouais, c'est encore beaucoup trop tôt alors. Avant d'avancer, on me demande si la phase 3 c'est trop tôt, etc. Je dis ouais, c'est beaucoup trop tôt. Avant de faire la phase 3, on va déjà préparer les bâtiments pour toutes les phases standards qu'on a déjà débloquées. Ça, on n'essaie pas du tout de rush le jeu, les mecs. Si vous attendez à ce qu'on rush le jeu, c'est perdu. On ne va pas rush le jeu. On va prendre le temps d'essayer de faire des trucs propres, d'essayer de mettre ça bien, de prendre du plaisir à jouer ensemble. Et puis voilà. On n'a qu'une seule fois l'occasion, comme je disais, de découvrir, de redécouvrir un jeu. Donc, tout à fait. Ce serait dommage. Et j'avais pas noté qu'il y avait des couleurs différentes aussi sur les faces de la station orbitale en haut. Il y a une partie grise et une partie un peu plus cuivrée. Ah ouais. J'avais pas remarqué les différentes couleurs. Ça dépend peut-être aussi de l'heure du jour en fonction de comment le soleil. Ouais, c'est possible, ouais, mais j'ai pas remarqué cette différence là. Question, réponse. Sky, est-ce que t'as toujours besoin des tickets? Moyen. Et le béton, ah il est là le béton, c'est vrai. Ok. Donc l'autre va en mettre 150. Oh Sky, t'as besoin des tickets encore ou je peux acheter un truc? Je trouve le bâtiment cool et que je me demandais quelle gueule il avait par la suite. Ah tu verras. Passage de sol pour hypertube, ça c'est bien. Bon là il serait temps que j'achète des fondations quand même. Ah ça il y en a pas en stock. Attends. Bah puis toi ce qu'il y a sur le... 500... 200... Okay.
ça va faire du 300. On va descendre à 120. On va faire du MK2. Merde, j'ai plus de dépens. Ah, j'ai deux dents, excusez-moi. Bah tiens, je t'en dépose 500 parce que moi j'en avais plus non plus. Et j'ai tout pris. Ok. Alors. Je vais l'en choper en bas. Si je peux te donner un conseil, Sky. Je vais tout repeindre et vraiment devoir modifier une grosse partie pour ouais, faire pas. La déco extérieure. Donc t'embêtes pas, juste tout remplir. Fais ce que t'as besoin de construire. Ouais, t'emmerdes pas avec la couleur, vraiment. Parce qu'après, on va mettre un code couleur par bâtiment, donc les murs vont changer. Par bâtiment, par convoyeur, etc., etc. Mais oui, c'est vrai. On te l'a pas dit. On ne dit pas tout non plus. Eh oui, parce qu'il faut bien garder du suspense. Et qu'est-ce qui suspense ? Non, je finis pas cette blague. Mon avocat m'a déconseillé de la continuer. Ah. L'avocat déconseille. M'a dit, Dragnik, ça fait trop de blagues. Ferme ta gueule si tu veux pas finir au goulag. T'as dit t'as à toi ? Ouais. Ah, repeins comme tu veux, mais ça va sûrement changer. Faudra pas, juste pas t'en offusquer. Alors, hop, ici. Prendre là-bas. Ah la Naruto c'est bien mais hier j'ai pris une capture d'écran sur le bord. Ça arrive là. Donc, 260. Ah ouais, merde, j'ai oublié que j'avais mis ça exprès pour pas avoir à monter. De quoi ? J'ai mis une tyrolienne. J'ai mis pile poil le bon endroit, la bonne hauteur pour pas avoir à monter par les échelles. Ah ouais. Ok. Oh. Voilà, j'ai fait un réverbère. Je crois qu'il y a un crash. Je crois qu'il y a un crash. C'est joli. Je crois qu'il y a un crash. Là, je suis complètement freeze. Ouais. Ouais, crash. Oh non, crash. J'espère qu'on va pas perdre longtemps. Je sais pas. On va relancer et puis on va voir. Je crois que c'est au moment de la sauvegarde. Si c'est ça, on a perdu une petite demi-heure. Merde! Non, on me dit pas que t'as mis. Oh non. De quoi? Emote. Ouais, c'est sûr. Par contre, regarde dans le message si c'est le même idée de session que la dernière fois. Bah, renvoie. Bah non, regarde toi entre le message d'aujourd'hui et le message d'hier. En MP. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, ok. Bon, alors je me connecte et puis je vous envoie. Mais c'est logique. Hein. Parce que sinon, ça veut dire que tous ceux qui sont déjà connectés chez toi, ils peuvent se reconnecter même si t'en as pourvu. Ouais, j'ai pas perdu beaucoup, hein, en tout cas. Sky a qu'à rejoindre. Alors attends, gérer la session, paramètres de la session. J'ai pas l'idée, moi. Ouais, je te l'envoie. Deux secondes. Mais si, ça marche avec l'ID de tout à l'heure. Ah ouais ? En tout cas, là, ça se connecte. J'ai juste copié depuis mon presse-papier et ça fonctionne. Bah écoute, impeccable. Je te le renvoie au cas où, mais.
Mais c'est pas le même. Tiens. Je comprends pas, celui que tu viens de m'envoyer c'est pas le même, mais j'arrive à me connecter avec l'ancien. Bah écoute, je sais pas. Oh, wow, non, je suis carrément loin, j'ai perdu grave du temps. Je suis désolé, hein. Alors là j'ai pas rien du tout, là, mec. 10 minutes, pas plus. Alors attends, je vais modifier les options pour la jouabilité, pour la sauvegarde. Ouais, c'est pas grave en vrai, mais bon, chiant. Je vais mettre toutes les 10 minutes, puisque pour l'instant il n'y a pas de lag. Ouais. Donc, vu qu'il n'y a pas de lag, là par contre ça a l'air d'être plus fluide. Ouais, ça a l'air d'être plus fluide. Ah, peut-être au bout d'un moment on a tellement construit que voilà quoi. Du coup, alors attends, ça fait que je le prenne. Ouais, tac. Ok, c'est bon. Et c'est juste que je trouve le bâtiment. Ok, ça suffit. Voilà, je l'ai juste là-dessus. Vous avez perdu longtemps de jeu ou pas? Non, pour moi 10 minutes après. Ouais, à peu près, hein, c'est ce que je fais, 10 minutes. Ouais, dites, mais. Ah, accumulé, ça fait 40 minutes quoi. Ouais. Okay. C'est ça. Oh la vache. Deux. Check, il n'y a pas de ticket. Hein. De quoi? Je viens de check, il n'y a pas de ticket. Yep. Au cas où. Ah, faut que je passe par là-bas. Je sais pas, j'ai oublié. Mais attends, mais pourquoi je repars? Mais je suis trop con, hein. Mais je vais 5 pompes. Pardon. Je suis trop bête, je fais n'importe quoi. Cinq pompes pour quête. Ouais, dès qu'on a fini la phase 9. Vas-y. Café, c'est pour ça. Ah oui, ça devait être pour ça. Ouais, quand tu joues trop longtemps, Fixit, il te fait wipe. Il dit, ouais, non, ils avancent trop, on va les freiner, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça paraisse legit? Vas-y, elle crash. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, c'est chiant, t'as un truc qui tient sur 5 plateformes. Et alors? Ou alors 1, 2, 3, 4. Ça arrive. Ok, on va mettre les stockages dedans. Let's go. Stockage là-bas. J'avais tout ce qu'il fallait. Ok. Ça c'était bon. Donc là on va commencer à mettre le reste. Vous êtes bien calme les mecs. T'entends même plus Dragnix. Je suis en train de résoudre un petit souci. Qu'est-ce qui t'arrive?
Non, non, un truc sur Discord, pas rien de bien grave. Bon. Voilà. 2, 3, 4. Alors, est-ce que le blueprint il a changé? Oh! Pour info, du coup, j'ai ramené du quartz et j'ai aussi fait une mini prod au niveau de la mine de quartz. Les amis. Lié électriquement depuis la centrale à charbon. D'accord. Okay. Mais par contre, attendez, je suis désolé. Ouvrez tous votre menu de construction et regardez blueprints. Plan. Non, dessous. Non, pas l'onglet blueprint. Le bâtiment blueprints. Le modeleur, ouais. C'est dans quoi déjà? Architecture? C'est dans spécial. Spécial? Bon, il n'y a rien de particulier, je sais pas. Comment est-ce qu'il s'appelle? Modeleur de plan MK1. Modeleur de plan MK1. Oui, parce qu'ils ont ajouté un MK2 qui fait 5 oui. par 5. Oui. Mais je n'étais pas au courant. Si, si, il y en a un qui fait... patch note. Il y en a un qui va être plus grand après. Là, c'est MK1. Et l'autre, il fait 5. Il fait 4-4-4 et l'autre, il fait 5-5-5. Ouais. Ils ont pensé à Mutate pour qu'il fasse des créatures plus grosses. Il va être content, viens. Il va péter des câbles, ouais. 2, 3, 4. Alors. Waouh. Oui, vous étiez en train de m'envoyer du béton, il me semble. Ouais, je t'en envoie. C'est merde. Je suis en train de vous charger en fil électrique. Normalement, les poutres et les tuyaux en acier, c'est bon, maintenant c'est uploadé dans le cloud et ça avance. Ce qu'il faudrait, ce serait limite virer le truc des plaques de fer et le mettre au niveau des sacs de béton. Attends, on va le laisser celui des plaques de fer, parce que les plaques de fer, on en a besoin tout le temps. On va juste en mettre un de stockage au niveau du béton. Tu veux? Bah ouais, je veux. est-ce qu'il y en a un qui peut me mettre du cadran modulaire dans le stockage, s'il vous plaît? Y'a quelqu'un d'autre qui est dans la tour avec moi ou pas? Non, j'en ai pas 10, j'en ai 9. Attends, j'arrive. Tu me laisses finir de poser mes plateformes? Non. Ah, c'est bon, je t'en mets 50 direct. C'est bien. Ils se mettent en premier les cadres modulaires. Non, demandez pas tant. Donc, bon, bah tu vas aller te faire voir et puis, hein, d'abord. Oh. Hop. Ok. Pourquoi il y a ça là-dedans là? Pas besoin, il y a le quartz ici. Ouais. Non, mais je regardais, mais je me demandais surtout pourquoi il y avait un EME en fait dans le stockage là. Alors qu'on a. Je sais pas. J'ai laissé. Un EME dans le stockage. Il y avait un minerai de EME dans le stockage. Ouais, bon, virez-le, hein. Non, c'est fait. Et là, il en faut qui? Ok, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça va, moi aussi je sais compter, hein. Regarde, 1, 5, 7, 8, 2, 3, ça va, hein. Parce que tu m'entends me la crâner tout le temps, là. 9. Et... Ah non mais attends, c'est pas les mêmes trucs que j'ai pris là. C'est pas les bons trucs que j'ai pris. Alors, il faut quoi? Ils sont où les espèces? T'as mis une prod des trucs un peu chelous là qu'il faut pour les stockages? Alors, le premier niveau, pas le deuxième, parce que ça demande des tubes et tout le reste, et donc je me suis dit on allait en crafter que s'il y en avait besoin. Mais juste le constructeur de transformer l'EME en au truc d'au-dessus, je l'ai fait, ouais. Ok. Mais bah, c'est celui que j'ai reconstruit pas, qui voulait plus se connecter à l'électricité. Ça. Tac.
Pareil, 90. C'est strict par truc, donc il m'en faut 60. Il m'en faut déjà 100, il m'en faut 50. Hop, attends, on va les crafter vite fait. Tuateur. Bon bah je suis désolé, je pourrais pas faire tout le truc, mais je pourrais faire je fais pas les sorties, mais je fais toute l'entrée et l'électricité et les constructeurs sur le blueprint. Ouais. Et alors un stockage ici. L'autre. Alors vraie question par contre. Ouais. Vas-y. Attends, c'est bugué, c'est pour ça. Là, pour les tapis que je mets entre les machines, je mets du MK1, MK2, MK3 sur le blueprint. MK6 direct. Allez. Alors, je serais toi, je mettrais rien du tout. Parce que ça nous permet de peut-être pouvoir les connecter correctement comme on veut, non? À vous de me dire. Tu peux déjà faire le blueprint avec les répartiteurs, les entrées et tout, et puis après. Ce bloc là tu le places plusieurs fois et tu le relis manuellement. Ouais, mais justement à vous de me dire si jamais Non, t'en veux pas, bah. Donc on mettra les tapis entre chaque nous mêmes ouais bah oui, parce qu'on va les adapter en fonction des besoins, donc Ok, est-ce que je mets une recette dedans comme ça pour moi c'est bon et à chaque fois qu'on voudra on devra le poser une fois, enfin le modifier, changer la recette? Non, mais pas de recette dedans parce que ça marche pas bien trop, je trouve, les copier coller. Pas top. Okay. Et puis comme ça, t'as un blueprint qui est polyvalent. Okay. Mais je relis quand même l'électricité au sein du truc. Hein. Oui, quand même, mettre un petit pilon électrique. Oui. Un bidou. C'est quoi? Voilà, du coup, si on fait des blueprints sur ta partie, Ketrart, ça les enregistre chez toi normalement. Enfin, ça les enregistre pour cette save là, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Je crois. Mais c'est des blueprints que je fais tout le temps. Limite, j'ai hésité à les poster sur Reddit en tant que blueprint en téléchargement gratuit. J'ai hésité, mais je l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Bah, tu peux aussi les poster sur Satisfactory Tools. Il y a une section pour poster les blueprints et les mégaprints. D'ailleurs, faudrait que je m'inscris pour uploader mon bâtiment. QG Ghostbuster que j'avais fait. Et celui-là, j'y ai passé suffisamment de temps, je vais la rapporter dans ma save 1.0 et on va l'utiliser en usine. Ça va être bien. Ouais, bah t'as raison. Bah si t'as fait un gros boulot, ouais, carrément. Bah, j'avais posté des screens sur ton Discord, Ketra, je crois. Ouais, mais je peux pas me rappeler de tous les screens de tout le monde, c'est impossible. C'est vrai. Oui, c'est impossible, il est toujours. Et entrer par convoyeur. Hop, allez, t'avances tranquillement. Tiens, Kate, pose le blueprint quelque part et dis-moi ce que t'en penses. Bah, si c'est le même que les autres, let's go. Ouais, mais vérifie quand même s'il te plaît, parce que j'oublie, j'ai toujours peur d'oublier un truc. Ouais, tiens, ça m'a fait un haut fait. Building in blueprint mode can further optimize your construction process. Ça m'a fait un... Ouais, ça te fait un succès quand tu fais ton premier blueprint. Build modes are not just there to make your work easier. They compensate for inevitable human error.
Fixit understands humanity like no other, ouais, si, and humanity needs you to be efficient and productive at all times. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant, faut juste le démonter. Tu peux le démonter complet sans le... Ah bon ? Sans détruire un par un. Ouais, quand t'es dans le menu de déconstruction, tu fais R. Et R. Tu changes en mode de déconstruction plan. Ouais, mode de déconstruction plan. Ok, j'avais jamais essayé. C'est pour ah ça oui. que moi, mais. C'est pour ça que je t'ai dit, mes fondations par exemple, moi je me prépare toujours un blueprint de 4x4. Bah, prépare-le. Bah, là je fais pas de fondation donc je le fais pas, mais si tu veux, je peux le faire pour toi, si t'en as besoin. Bah, là j'en ai pas besoin tout de suite, mais pourquoi pas. Gagner du temps et tout, dans ton plan tu peux faire la même avec des fonderies s'il te plaît comme les ça par contre je suis en train de faire four de base ouais les hauts fourneaux ouais ouais enfin, c'est ils sont chauds à ouais ça s'appelle des hauts fourneaux maintenant ils sont chauds à renommer c'est comme les fils électriques à la base ça s'appelait des bobines et j'ai toujours gardé le nom bobine j'ai jamais réussi à me faire fil électrique. Ouais, non, mais c'est bobine, c'est pareil, oui. Du coup, tu veux que je te fasse... Je sais pas si je... Mais je peux pas... Ah, j'ai pas assez de tiges. Oh, les tiges, on en a beaucoup. Ouais, mais je dois aller en chercher. Non, pas dans le stockage dimensionnel. Tiens. T'es où ? T'es au sol ou t'es dans le bâtiment ? J'ai pas vu. Dans le bâtiment, là. Bon, il y en a pas on est un peu sur moi des tiges, je peux t'en enfiler un stack. Non, ça c'est bon. Hein. Par contre, mets-moi de quoi faire un autre dimensionnel les pots, comme ça je mets les tiges. Tu veux quoi, une sphère de mercenaire et les 10 trucs, ouais. Bah au pire, mets tout. Les sphères de mercenaire et les trucs, tous ceux qu'on a. Est-ce que les sphères de mercenaire, on peut les envoyer là-dedans? Bah je peux mettre les tickets, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas mettre ça. Ah oui, pas faux. Marche. Ah c'est bien pour les tickets pour pouvoir les stocker en dehors de ton inventaire, ça c'est cool. Ouais, comme ça t'as bah même t'as pas besoin de la chercher ou d'aller à ta base à l'autre bout du monde si jamais tu sais pas où c'est. Ouais, les tickets 1500 c'est pas mal. Ouais c'est vraiment pile poil. Il est toujours là, papy? On va gagner du temps. On a une sphère de mercer et les fluctuateurs de M qui arrivent. Toujours pas assez de béton, c'est un truc de ouf. Hein. Et on vient les 10. T'as pu tester la 1.0 toi? Non, c'est pas les fluctuateurs EME qu'il faut mettre, je crois. Ah si, t'as lancé la prod. Ouais, t'as la prod. Ouais, t'as lancé une prod. Le relais dimensionnel, okay. C'est ça. Oui, t'as... Mais celui-là, c'est pas... Ça, c'est le niveau 2. Ouais, c'est bon, c'est le niveau 2. Là, t'es dessus ? Ah, ok. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau, alors, pour... J'ai les feuilles qu'on a sur nous, on va les jeter. Alors, tout droit, on va mettre surplus, et à gauche, on va mettre any, tac. Et c'est dans quoi? C'est dans stockage, organisation peut-être. Ouais. Et là, si on regarde... Je vais booter un peu la prod de béton, là. Tu vas quoi? Je vais booster la prod de béton. Avec des slugs là pour l'instant parce que... Bah si tu peux, mets un autre truc. Non, je peux pas. Ah, on a plus de sphère de mercer. Non mais c'est bon, j'ai mis un stockage pour ça, mais on n'a pas assez de place. Là, comme on est au niveau du starter, que c'est une petite prod de la con. J'avais déjà rajouté un constructeur pour le béton, mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Ouais, okay. Mais c'est pour ça. Là, on monte à 150. Et 150, ça fait... Ah ouais, on est déjà bien là. En tout cas, ça marche.
Ah, t'as 120 plus 60 qui rentrent dans... T'as 180 qui rentrent en calcaire sur une chaîne de 4 constructeurs. Bah non, il y en a plus que 180 là pour l'instant. Ah. Parce qu'il y a deux mines qui sont sur du impur, elles sont à 30. Et il y a une mine qui est sur du... Ah, ouais, tu as overclocké les mines d'après. Ah, j'ai tout overclocké à max. D'accord. Je me suis dit que... MK1, je crois. On allait mettre, des... des shards aussi dans les constructeurs là en attendant, même si à terme on le fera pas comme ça, mais bon. Ça faut que je change de vitesse. Clairement, temporairement, ça fait le coup. Ah oui, carrément. Ouais, alors attendez que je commence à construire pour dire que ça fait le taf. De toute façon, là, oui. Actuellement, la max conso, elle explose la production d'électricité quoi qu'il arrive. Ah oui. On est loin d'être à la max conso. Hein. Ouais, faudra pas sauvage, production micro. Faudra pas se avec ça. Je reviens. Il nous manque. On est déjà sans énergie là. Oh, la conso moyenne est à 1000. La production est à 1000. Attends, je t'entends pas du tout là. Je t'entends pas du tout avec la bestiole qui crie et ton micro qui est très très bas malgré le fait que j'ai mis à fond. Non, je t'en prie. Ouais, donc je disais, ouais, c'est bon, je vois, ouais. La conso à 1000, production normale 1200 stable et 1470 max avec les bio. Ça risque de monter là, il va falloir que je prévoie encore d'autres. Il va falloir doubler au moins la. Ouais, pour la doubler, il va me falloir pas mal de rotor. Il va falloir pas mal de rotor. Donc là c'est 150, là j'ai 450 de calcaire qui arrive là. En tout cas, c'est ça. Une 150. Ouais, du coup, niveau papier, ça c'est pas fait. Non, 150 x 2 plus 75. Ah bah 375. Divisé par 45, ça fait 8,3. 8,33. Donc je mets. Il y a 4 trucs, 4 constructeurs. Tous les bêtes à 200. Ouais, sauf la dernière, je la mets à 250. Par contre, en entrée, on peut pas délivrer les 300. Non, bah, on va faire un petit modif. Hein. Là, sur la dernière ligne, je sais pas, on va essayer de voir ça. Bon, hop. 37,5. Juste refaire cette partie là vite fait. Alors. Là, tu consommes combien? 90 par minute, donc c'est du MK2. MK2, MK2. Ensuite. MK2. Et meurs volume. Quelqu'un sait où sont les forts? Eh bah, je viens de les remettre. Du coup. Barba Boy, 4 armes. Quoi? Regarde les blueprints. Attends, je peux vraiment pas là. Regarde-moi ça, Eden. Oh. 90, hein. 90, on est à 180. 180. On a 20 heures sur la game, regarde les usines qu'on fait. Déjà. 75 plus 150. 150 plus 75. Ah ouais, on non, a mais 225. Pas moins 180. Donc il reste 45. 45 c'est du MK1. C'est ça. C'est ça. Et là comme je vais en envoyer 45, il va falloir que je fasse une modif. Il va falloir faire un truc de terre entière. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Des panneaux, si tu veux bien éclairer, tu peux les mettre en intensité 3. Il y a un tiers. Et là, je peux pas atteindre ceux qui sont en haut. Et je peux faire ceux du sol et les deux premiers. Tiens, tu veux savoir un truc, Kate, en fait avec les blueprints. Quand tu les mets, tu peux les aligner directement avec les uns les autres. Un peu comme dans le menu destruction pour les supprimer tous d'un coup.
dans le menu de construction, tu fais R et tu peux les aligner avec les blueprints. Attends, vraiment, je suis pas du tout concentré sur ce que tu me dis, je réfléchis à autre chose. Je suis vraiment désolé, mais Ouais, t'inquiète. Là, je me promets, Sky. Rien. Attends, 110 par minute. Ok, 180. Attends, moi je vais calculer ça. 150 plus 75, ça fait 180, il en restait 45. Ok. Donc les 45 de trop. Toi, tu donnais là. On est à 270 parce que là tu repartais là-dessus comme ça. Sky, il va falloir que tu mettes des barrières au milieu parce que là sinon on sort d'un hypertube, on rentre dans l'outil rect. Tu les as mis face à face sur les côtés. Faut mettre une barrière au milieu pour s'arrêter. Attends, si je fais 45 de trop là, il suffit juste que je mette un autre constructeur et puis je me démerde avec ça. Qu'est-ce que je m'en vais? Je sais pas ce qu'il faut pour les entrées d'hypertube. 25. Là, c'est 150. Et là, vous consommez combien? 90 plus 112,5. Alors attends. Plus 150. Par contre, t'as volé. Moins 90, moins 112,5. Ouais, il dit qu'il nous entend pas, mais c'est parce qu'il parle trop fort. Mais oui, c'est ça. Mais mon micro marche bien, c'est le vôtre qui est nul. Mais non, c'est surtout que tu cries. Je fais pas. Je parle normal, c'est, si je te dis, c'est mon micro qui capte. Après, je peux faire de la ASMR aussi. Non, non, laisse tomber, arrête. Ok, je vais venir. On est d'accord, Paye. Par contre, toi, tu vois, je viens de baisser Ketra, mais toi, t'es beaucoup plus fort qu'avant. C'est parce que quand il rigole fort. C'est ça. Et sinon, il chuchote. Tu raft. Oh putain, c'est incroyable ça, ma raft. Get, c'est un expert de raft aussi. Ouais. Avec son arche de Noé. Donc ça fout. Il y a eu des bails sur raft. Ouais, il y a eu des bons délires. Il y a du vécu. Ok, là on est à peu près équilibré, à part ici une petite reproduction de 0, de 7,5. Là et là. Ah ouais, carrément la moitié. Comme ça, regarde. On va faire. On est à 150 plus 75. D'accord, on est à 225. 125 moins. 90, non, je suis pas d'accord, j'ai à 217. 90, il reste 45. Ok. 45. C'est aussi, ouais. Donc ça fait 195. Moins 90. Moins 90, il me reste 15. Non, pas moins 90. Moins 112,5. Ah, 2,5, 7,5. Ok, 995 moins 172, ça me fait. Yo, Flori, ça va 5. Donc, on met ça, et on se prend à. Ça va, ça va. Et re à qui? Ah bah y'a tout le monde qui s'est donné le rendez-vous. Ça, c'est bon, ça se ferme plus. Ok, c'est bon. En fait, il en manque 7,5 pour tourner à fond. Ça se fait largement comme ça. Okay. Bah ça va, les poutres en béton là, ça commence à remonter. De quoi? En fait, les poutres en béton là qui sont en train de monter dans le stockage, j'ai mis un moitié avec un stockage statique, un stockage industriel. Et l'autre moitié en stockage dépôt dimensionnel.
Dépôt dimensionnel, ouais, ça va, ça se remplit. Ah ouais. Qu'est-ce que je dis? J'ai fait un gros. Je viens passer une tête. Ah bah ouais, je vois ça. J'ai fait un gros stream de sur ouais. Sur un disque, trop content de l'impression. On est d'accord. Incroyable. Ouais, cool. Qui c'est qui dit ça? Dépôt dimensionnel, tu sais pas encore, je vais pas te spoil. Si tu sais pas encore, je vais pas te spoil. Découvre-le, c'est une merveille. C'est... Je peux t'épuiser, mais je peux. Enfin, je peux t'épuiser. J'ai lu le mot épuisé dans le chat, j'ai dit. Je suis mute ou quoi? Non, j'ai pas mute. C'est qui c'est qui te posait la question? Laurie. Ah, je le connais pas. Quelqu'un de très connu dans la communauté de Dragonauts. Ah bon? Ok. Eh ben, vous faites des bidous aux Dragonauts! Ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'ai vu hier si, mais c'est pas lui que j'ai raid parce que lui il avait déjà arrêté son stream quand j'ai voulu raid. Il y avait Ghostcat qui était là. Donc j'ai raid Ghost, mais Wow, la vitesse à laquelle j'ai construit. Abusé. Et c'est bon ça. Mec. T'as vu les armes offertes de Game Pass avec Nitro? Ouais, j'ai vu, mais j'ai déjà Game Pass, donc je vais voir ce que ça fait, mais je sais pas si je peux le cumuler. Non, car je suis épuisé, je peux t'épuiser. Non, mais t'inquiète, j'ai rien dit. Bon, bah moi je vais vous abandonner là. Ah déjà? Il est temps, on a fait faire dormir les yeux. Ouais, t'es même... Mais t'as pas fait ton coma de 72 heures non-stop là? Non, mais très peu pour moi, merci. Honnêtement, nous on va arrêter d'ici une demi-heure. Oh. Bonne fin de soirée à toi, Kate, Ragnik, Sky, merci. Et puis aux viewers aussi. Bye bye. Merci à toi d'être venu, et ça puis marche, à bientôt sur ton stream. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis bah hop. Si vous continuez, je repopperai sûrement. Bien si, on continue, non. C'est quand on va continuer? Non, vous continuez, voilà. C'est demain en fait. Ouais. Et bah donc, potentiellement demain. Bah demain alors. Ciao! Bye bye. J'ai failli construire les mauvais. Ah yeah, je peux pas poser de tapis. Ça y est. Et là, ça fait 3. Des bisous, dormeur. Des bisous à la personne qui va se coucher. Ah bah, t'es un peu trop tard. J'ai pas lu, désolé. Ça va être bien ça pour poser le deuxième. Là. De quoi? Ok, c'est bon. Non, c'est bon, j'arrive. Il y en a combien qui se posent là finalement Je sais pas combien je suis là. Il y en a 4 à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Donc 3 fois 4. Non, j'abuse non. Pas puisque dès que quelqu'un parle sur le chat de Dragonaut, tout le monde te connaît. Sauf les gens qui viennent de débarquer, mais c'est tout. 16. Et voilà. C'était sûr. Ça tombe pile poil. Merci pour les plans, hein. C'est pratique. Hein. Merci pour les plans. Ah bah de rien, hein, si t'en as besoin d'autres tu me dis. J'ai l'habitude d'en faire un. J'étais vraiment anti-plan au début et puis après bah j'ai découvert les plans et j'étais en mode oh. Ouais, tu pourrais en faire un. C'est le même build qu'on a fait pour les assembleuses. On va en avoir besoin. Pas tout de suite hein, mais on en aura besoin tôt ou tard. Ok. Si tu veux. Le multi est enfin stable ou pas? Eh bah écoute, pour l'instant il est très très stable. Pour l'instant on a aucun problème quasiment. On a eu un tout petit souci au début, mais bon franchement... Et un crash en 20h avec tout ce qu'on a mis sur la gueule au jeu. Ouais, on est à 17h là. Un crash en sachant que les sauvegardes de 4 elles sont toutes les demi-heures aussi hein. Maintenant, elles sont toutes les 10 minutes. Ah bon? Étonnant. Bah, parce que tu râlais. Ouais, écoute, moi, j'étais habitué à mettre des sauvegardes toutes les 3 quarts d'heure, 1 heure, voire pas de sauvegarde, parce que quand je sauvegardais, ça crachait. N'empêche, satisfactory en mode Iron Man, tu sais, pas de sauvegarde. Ouais. Ah, il a dit qu'il a fini le premier prototype de l'ascenseur.
Bah vas-y, je vais aller voir ça. Marche. Vous avez les tapis qui bug? Non, 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 c'est juste moi qui vais être trop vite et qui suis un connard, du coup, il se place un peu n'importe comment. D'ailleurs, mec, truc de zinzin. Ah, alors attends, qu'est-ce qu'il y a un truc de zinzin? Ah putain, non. Oh non. Assassin's Creed Chronicle China. Oh ouais, non mais. Oh non. Quoi? T'as mal fait tes plans, mec. En quoi? Lequel? Bah, tous, en fait. Tu te fous de ma gueule? C'est moi qui ai mal placé. Attends, je peux poser des questions là. C'est moi qui ai mal placé? Je c'est pense, possible. Oui. Ah, c'est possible. Ça glitch dedans? Ah, purée, c'est un micro glitch. Ok, c'est moi. C'est moi, c'est un micro glitch. Tu fais une frayeur comme ça, tu finis pas la nuit. Billy Boy. C'est comment est-ce qu'il a fait pour avoir un petit décalage comme ça? Un micro décalage, mec. Ouais, mais non, mais comme ça, là, par-dessus le tapis, en une demi-fondation. Ah! J'ai vu, je suis partenaire terrible. C'est moi qui lui ai montré l'astuce. Je pense qu'en vrai, tu mets une fondation d'un mètre plus haut et tu mets une fondation, un support. Bah, en fait, tu la mets surtout juste en dessous. Ouais, ça marche aussi. Partenaire Ubisoft. Pourquoi? Dans la machine, le tapis bug. Bah non, t'inquiète pas, tu verras, tout fonctionne. Non, pourquoi? Non, c'est bon, ok. Parfait, on a rien dit. Non. Ah oui, mais attends, il y a un sens pour les répartiteurs. Ah. Désolé, c'est pas l'habitude d'utiliser les plans, donc... Ouais, il y a des coquilles. Ouais. Non, mais des tout plans... Tout est bon pour accuser le grand Dragnix. Trop facile, quoi. Le grand Dragnix. Ouais. Au moins ça, hein. Ah oui, au moins. Fais attention à tout. Il est bien calé comme ça. Parfait. Ubisoft, ouais, je pense, ouais. Mais par contre, j'aimerais bien savoir comment t'as été partenaire Ubisoft. Même si je le demanderai pas, puisque c'est une boîte que j'ai en horreur. Je déteste Ubisoft. Bizarre, tac tac tac. J'aurais même tir ne rentre plus. Ah, t'as un problème. C'est quelle matière? C'est du charbon? Par hasard? Sur des centrales à charbon? Par hasard? Par hasard, hein? Là, pour l'instant, j'ai pas touché. Avec ton partenaire, donc c'est bénef. T'es à l'époque de la sortie de Roller Champion, ok. Non, mais là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils font des jolis jeux, mais c'est complètement. En fait, ils ont une politique 16. Qui est complètement scandaleuse hein, chez Ubisoft. Hein. En fait, ils prévoient de sortir des DLC qui sont payants à 20 balles le DLC le moins cher, le jour de la sortie du jeu, à un jeu qui coûte déjà 70 euros. Et t'as 2 DLC. Non, 3 DLC, je crois. Ce qui monte à 120 euros, je crois, le plus cher. Sans compter les packs de skins, hein. Okay, on est bon. Parce qu'ils incluent aussi les packs de skins dans leur jeu. Attends, Sky, Drag, il est en train de discuter en même temps. Il a peut-être pas vu ton message. Quel message? Bah, qu'il t'écrit dans le chat, qu'il demande à ce que tu viennes, il t'attend. Ah, désolé, j'avais pas vu. J'arrive. Ok. En fait, t'es pas attentif, quoi. C'est ça. Bah j'arrive, tu me laisses finir de copier sur mes quelques constructeurs et j'arrive, je suis là. Vas-y. Pourtant t'entends pas que ça fait un bleu bleu quand c'est quelqu'un qui écrit? Ouais, quand je parle, non, c'est le bleu, il est trop faible pour que je l'entende.
pour ça que je parle fort, moi je mets le son du jeu. Bye, j'ai fini un étage de constructeur. J'ai fini le premier étage de constructeur. Très bien. Ça avance de votre côté. Bitcoin 4061 ne suffit pas pour jouer sans freeze à The Queen. Bon bah ça c'est juste qu'ils ont les devs de merde. Oh non mais IA c'est pire que Activision, hein, je suis désolé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avait pas dit 9 étages ? J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais oui, parce qu'après il y a le toit. Il y a le toit où va y avoir les... Ouais, non, non, c'est drones. c'est 8. Donc c'est bon. Alors... C'est quoi HF1 ? Au fourneau 1, ok ? Au fourneau 1, au fourneau 2, constructeur, 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 assembleuse, assembleuse. Ok. Et drone. Ah, pas mal. Et je pense qu'en vrai, dans l'idéal, ce serait d'en faire une deuxième salle comme ça. Genre, on verra après, hein, je te contacterai après. À ce moment-là, mais on mettra, je pense. On les a pas encore, mais un escalier. Sûrement en plein milieu, là, ici, là où t'es. De manière à aller en dessous, parce que va y avoir les gares et tout en dessous, donc faudra y accéder. Faut que je mette les entrées par contre sur les tuyaux, tu les as pas encore mises. Allez, là, on est... Alors là ça marche mais on est un peu loin. Non, c'est décalé là comme ça. Béton armé, béton armé, béton armé. Tu peux en fabriquer en vrai facile hein. Il y a besoin de béton armé, pourquoi? Pour les entrées en hyper tube. Ah. Une entrée d'hyper tube, ça coûte 10 tubes en acier, 4 hauteurs et 4 poutres en acier, en béton armé. Bah Ubisoft, c'est breton et c'est les Renards. Oui, non mais oui, mais... C'est plus ça qui sont représentatifs de... d'Ubisoft, malheureusement. Ah mais, les deux derniers... Pourquoi tu me décales à chaque fois comme ça, là? Qu'est-ce qui fait que... La fatigue qui joue? Qu'il y joue ? Fatigue qu'il joue. Pas ce qu'il y joue. Ouais, la fatigue, ouais, clairement. Clairement la fatigue. J'ai galère à poser des groupes. Tu veux t'arrêter ? Non, non, il nous reste un quart d'heure. On va finir le dernier quart d'heure quand même. Bon, bah allez. C'est vrai que j'ai dormi 2 heures depuis la journée d'hier plus celle d'aujourd'hui. Donc ça pique un peu les yeux. C'est vrai que... Évite les nœuds. Et demain tu lèves hein? Bah à 4 heures. Mais t'es un malade mental. Hein. Je dormirai quand je serai à la retraite. Bon, je serais mort. En attendant, aussi ta Satisfacto Geek. D'où ça sort, ça encore? Je sais pas, c'est mon cerveau. Ok. La fatigue, elle part beaucoup là, non? Ouais. Ok. Tu t'es levé à quelle heure, toi? 7h, je crois. Ah non, en vrai, t'as fait une nuit de 6h, c'est cool. Non, j'étais en vocal jusqu'à 3h du matin. Ah, t'as fait une nuit de 4h, c'est le double de moi. Ouais. Mais là, je suis vraiment éclaté, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure... Ouais, je t'entends que t'as du malus. T'es pas aussi enjoué qu'hier, ouais. Je me suis dit, ouais, peut-être il est triste et tout. Il a perdu son doudou, machin, et... Mais non. C'est l'effet farine... Salaud. Ok. Non. Là, une bonne cuillère de farine et ça redonne la pêche direct, on nous dit dans le chat. Je crois qu'il y en a qui ont raison. Qui a dit quoi? Dans le chat, on m'a dit une bonne cuillère de farine et ça redonne la pêche direct. Oui.
Ah, remarque, ça réveille, hein. Tu peux pas dire le contraire. Ok. Oui. Ça débrouille assez là. Regarde dans 3 secondes. 2, 1, crash. Non, je déconne. Ça aurait été le cas, je t'aurais tué. Bah non, j'y suis pour rien. Ouais, mais bah, comme tu l'as dit, ça l'a évoqué. Non, non, ça existe pas, ça. Le karma, c'est de la foutaise. Salut, Papy Dae officiel. Bienvenue à toi. Allez, je coupe ma cam 2 minutes, tes amis. Hop. Tu vas faire quoi? Coupe ma cam. Pour? Pour couper ma cam. Le joueur français qui calcule tout. Il calcule au millimètre, mes amis. Bah, il faut. Bah, regarde là où je suis, comment la toile a grandi depuis qu'il y a les bruits. C'est un truc de malade, hein. Oui, mais on va gagner du temps, c'est sûr, ça fait quoi en plus. Ouais, j'ai plus aucun bruit de machine, c'est étonnant ça quand même. C'est peut-être parce que ça tourne pas. J'en ai aucune idée. Oh. Okay. Voilà, tu voulais savoir la vérité, bah tu l'as. Ma copine, elle a dit, il a l'air sympa, le gars avec qui t'as streamé hier. Je dirais c'est un petit jeune qui a de l'avenir. Le mec avec qui j'ai stream hier. Elle m'a dit à moi, il est sympa, le gars avec qui tu as stream hier. Ah. Les lampes sont rouges donc ça tourne pas. Oui, je sais. C'est parce que la recette n'est pas mise. Mais je voulais voir s'il y avait du bruit. Oui. Elle m'a dit que t'avais l'air sympa. Elle sait reconnaître les gens de grande qualité, c'est tout. Bien sûr, elle est avec moi. Ouais, je retire ce que j'ai dit en fait. Alors 270. 270, moins 60, 210. Moi je suis tellement fort que je mesure pas au millimètre mais au pétamètre. 150, 150. À la pétanque mètre. Ok. Tu vois, regarde, papy. J'ai un petit bug. Si, le seul bug que j'ai régulièrement dans le jeu, c'est que je n'ai plus les bruits ambiants. Alors que. Ah ouais. Moi, je suis tellement fort que dans la vraie vie, je travaille au centième de millimètre. Voilà. Alors, je vais faire ça et je vais essayer de remettre les effets. Désactiver la musique sous licence, mode streamer. Ok, je vais faire appliquer. De quoi? T'as un truc comme ça dans. Ouais, ouais, dans les options de son. Désactiver la musique sous licence. Donc, ah ouais. C'est bien ça. Va. Non, t'es pas, moi j'ai ma propre 60, musique donc je m'en fiche. 60, 90. Mais dans la vraie vie, je travaille vraiment avec le centième de millimètre, hein, par contre, ça c'est cool. Tu peux pas tester picomètre, c'est 10 puissance moins 12. Ouais, mais moi je te parle dans la vraie vie. J'aime bien les bots qui tentent de marquer un message et PAM qui se prennent un bat direct. Moi, mon pote, il faisait aucun filtre et franchement, hormis m'envoyer les stats de vous avez 0 viewer au bout de 5 heures de live, bah, il faisait rien d'autre. Donc, je l'ai fini par le bannir. J'avais quand même les spams, j'avais quand même les bots et tout, donc j'ai dit les seuls gueules. Wizbot ? Ouais, Wizbot, ouais. Aujourd'hui, j'ai mon propre bot, donc je m'en fous. Hein.
T'as créé toi-même? Ouais. Okay. Genre j'ai mes commandes personnalisées et tout. D'ailleurs Flory, attends, hé, grande nouvelle. Attends. Fais point d'interrogation OnlyFan. Non, point d'exclamation. Règle sur presse injecteur. Ah, moi je travaille dans l'usinage. Ils m'ont demandé un OnlyFan tout à l'heure en plein live. Bon, le deuxième lien c'est normal, c'est des liens automatiques qui se mettent de temps en temps. Mais ils m'ont demandé un OnlyFan sur le live, du coup bah j'en ai fait un. Ils voulaient une commande OnlyFan, ils l'ont eu. Ah t'inquiète, toi t'auras le vrai en privé. Ah, tu l'auras, 50 subs. 50 subs pour mon vrai OnlyFans, c'est bon? Ça remplit. De quoi? Ça remplit. Je dis ça se remplit. Gentiment. Ça se remplit. On automatise les lingots de cuivre. Ouais, par contre, c'est un truc de dingue là, vous êtes compliqué la vie. Parce qu'il y a des trucs qui vont arriver après. Non, mais là, pour le... vous avez fait un micmac incroyable. Non, mais ça. Ici, là, c'est pas grand-chose, mais... T'inquiète. Mais d'ailleurs, c'est vrai que sur Twitch, il y a un gros souci de bot. Moi, c'était site alternatif comme Stream Element. Les alertes fonctionnaient plus du tout. Non, mais c'est un fléau. Ok. Voilà. Hop, on va monter plus haut. Paradise. Ici c'est la recette de vis du coup que je vais copier. Apparemment. Tac. Bon, allez, vous terminez ce que vous faites les gars. Termine de copier de mes recettes et ouais. De toute façon là j'ai fait tous les étages mais tout ce qui est évacuation ça je le ferai à la fin parce que je sens que si je fais étage par étage je vais juste me brouiller. T'as cru qu'il y avait des toilettes ou quoi? Mais non mais tu sais la sortie des machines. Ah, mais oui. Je fais la sortie des machines avec les stockages tout ça mais les trucs inter-étage ça je les ferai à la fin comme ça bah je suis sûr de tout faire d'un coup et pas m'embrouiller d'un étage à l'autre. Je vois. J'ai fini de copier mes recettes. Parfait. Sky, c'est bon pour un toi? Pour le moment, pas de soucis avec Chrisbot, sauf quand il faut faire les SO. Bah moi, les SO, j'ai ma propre commande, genre, tu vois. Par exemple. Ouais, ça affiche bon, ta photo de profil quantité et... quantité de ouf. Et... Attends, je suis pas allé trop loin là. T'as pas de clip sur ta chaîne? Je vérifie juste moi si je peux pas aller trop loin. Il me manque une ligne. C'est bon. C'est bon pour toi, Drag? Ouais, c'est bon pour moi. Attends, je quitte. Ok. Très bien. Et bon, on est bon. Pourquoi ça n'a pas marché alors? Comme ça, demain, on enchaîne les étages pour ici. Et ça va être pas mal du tout.